Salut à tous. Salut. Bon, épisode pronostic donc de Tatami Connection. Avec aujourd'hui le combat qui va opposer Israël Adesanya et Marvin Vettori. Deuxième combat qui les oppose à l'UFC 263 qui aura lieu entre la nuit du 12 au 13 juin. Ah, un combat qu'on n'attendait pas à la base. Le combat, il a lieu où? Il a lieu... C'est une bonne question. C'est une J'aime bonne te mettre question. Dans la merde. À Phoenix. À Phoenix. Donc, il va renaître de ses cendres, c'est ça? Ça doit être ça. Oui, non, c'est vrai que je prends jamais le lieu. C'est vrai. Lieu qui avait une importance, en fait, quand on était en confinement, parce que tu avais l'histoire de la cage avec l'Apex ou pas. Mais finalement, maintenant, c'est fini. C'est toujours la même cage. Non, je crois pas. Parce qu'il y a encore des événements qui ont lieu à l'Apex. Alors, pas les UFC numérotés. Oui, mais C'est les comme... Fight Night, je crois, qui ont lieu à l'Apex. Et au niveau de la cage, il me semble, je veux pas dire n'importe quoi, mais que ça dépend de la commission. D'accord. Parce que nous, comme on fait que les UFC numérotés, donc on n'est plus concerné par l'Apex, visiblement. Ouais, non, mais là, Non, non, il me semble que c'est la grande cage, là. Donc, en fait, t'avais décidé de perdre du temps. Ouais, exactement. J'aime voir la galère dans tes yeux. Eh ben, c'est... Même en grand professionnel, je sais rebondir. Bon, ça y est, on peut commencer. C'est bon. On va c'est commencer. Parti. Donc, on disait deuxième du nom. En grand professionnel, je reviens sur mes rails. Parce qu'un premier combat entre Marvin Vettori et Adesanya a eu lieu il y a quelques temps maintenant. Dans les débuts, fait, finalement, d'Adesanya à l'UFC. Un combat en trois rounds où Adesanya avait gagné à la décision partagée. Ce combat-là. Si on revient un petit peu sur le premier combat, parce que bon, ça peut nous donner quelques éléments sur le deuxième, sur ce qui peut arriver ou non en fonction de leur évolution. En gros, on a un Adesanya qui a dominé les débats en boxe sur les deux premiers rangs, finalement. Ouais. Avec Marvin Vettori qui a réussi quand même à venir le clincher de temps en temps sur les deux premières rounds. Et puis finalement, pour réussir à amener Adesanya au sol sur le dernier round. Ouais, deuxième round aussi, il l'amène. Hein. Et deuxième round aussi, ouais, deuxième round aussi, il l'amène. Ouais. Ben, c'est ça en fait qui fait que finalement, premier round dominé en boxe par Adesanya. Deuxième round, ce qui est équilibré, c'est que t'as la boxe qui a été dominée par Adesanya, mais t'as l'amené au sol de Vettori. Et troisième round, c'est l'amener au sol de Vettori qui fait qu'il a plus contrôlé le fight. Et c'est ce qui a donné cette décision partagée pour Adesanya. Ouais. Donc voilà, en sachant qu'on a vu quand même des choses intéressantes niveau boxe vis-à-vis de Vettori. Non pas parce qu'il a une boxe extraordinaire, mais parce qu'elle est non orthodoxe et qu'elle a... visiblement aussi perturbé un petit peu Adesanya dans le sens où finalement dans l'opposition de style, parce qu'on sait qu'une personne, un style peut aussi gêner un combattant, si exceptionnel qu'il soit, mais notamment avec une chose qu'il faisait et qu'il ne fait plus trop, c'est, et après on va commencer de toute façon comme ça, parce qu'on va parler de toute façon de la boxe de Vettori et d'Adesanya, mais c'était son high kick jambe arrière qui suivait avec son poing arrière, en sachant que Vettori est en gaucher, donc c'était sa jambe gauche qui partait en high kick avec un retrait de buste souvent d'Adesanya, parce qu'il est très très habitué à cette esquive là, et quand il revenait de son retrait, il prenait la gauche sans aucune puissance, puisque forcément il y avait pas l'enchaînement faisait qu'il pouvait pas le sonner là-dessus, mais ça déstabilisait en fait sa contre-attaque. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas, en tout cas, contre-attaquer derrière. Et c'est ce qui, petit à petit aussi, a pu amener Vettori à prendre son ascendant aussi sur les phases luttées. Donc voilà. Bon, avant de commencer, on va faire un petit check de chaque combattant, comme on a l'habitude de faire. Donc, Adesanya, 1m93, une envergure de 2m03. C'est 20 victoires... Pour une défaite, c'est 20 victoires, c'est 15 TKO. Ce 5 décisions. C'est énorme, 5 décisions. Et sa défaite, c'est une décision. Donc, c'est sur son dernier combat. C'est son dernier combat contre Blachowicz. C'est ça. Dans la caté du dessus. Dans la caté du dessus, ce qui a son importance. Ce qui a son importance sur plusieurs points.
parce que ça a donné des indications sur la marche à suivre pour le battre. Mais ça a donné des indications aussi sur le fait que bon bah c'était la caté du dessus, donc ça ne présage pas aussi d'une victoire possible, enfin d'une défaite possible dans sa caté de prédilection, en tout cas notamment sur sa confiance. Ça n'aura pas entaché sa confiance sur sa caté, de toute façon. Je pense pas. Ouais. Et ensuite on a Marvin Il Vettori. a Adesanya, il a 31 ans. Je juste continue là. Ouais. Et il est droitier. Et il est Il est droitier. droitier, mais il peut passer d'une garde à l'autre très facilement. On pourrait même Exactement. dire qu'il est ambidextre. Oui, très clairement, il a autant de facilité en attaque et en défense, à droite comme à gauche. Marvin Vettori, 1m83, donc 10 cm de moins, une envergure d'1m88. Donc sur le papier, bon bah forcément, c'est pas là-dessus qu'il aura l'avantage. 17 victoires, 2 KO, 9 soumissions, ce qui est pas rien, 6 décisions, et il a 4 défaites. Plus un draw, mais 4 défaites seulement à la décision. C'est un combattant qui Ouais, n'a jamais jamais été mis, finalisé. jamais finalisé et qui n'a jamais été mis KO. Et on va expliquer le pourquoi du comment, parce que finalement sa boxe, qui n'est pas si orthodoxe, enfin qui n'est pas orthodoxe, est très bonne en défense. En fait, il y a quelques petites choses qui font qu'il est très bon en défense et qu'il prend peu de dommages. En plus d'avoir une bonne résistance et d'avoir une bonne mâchoire, parce qu'il en prend quelques-uns quand même. Ah, il est solide, hein. Donc, et il faut préciser par contre qu'il a été invaincu depuis Adesanya. Alors, il n'a pas affronté de très grands adversaires, Non. mais par contre, depuis sa défaite, en fait, il ne fait que gagner. C'est ce qui l'a conduit en fait à ce title shot, en sachant que normalement, c'était pas lui qui était envisagé en premier lieu, c'était Whittaker. Mais bon, en tout cas, voilà, ça fait que il a sa place pour aller chercher le title shot face à Adesanya. Bah pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai noté leur cheminement après leur premier combat. C'est pas du tout la même chose, hein. On a Vettori qui prend, donc qui a battu, parce qu'il n'a pas perdu, donc il a battu César Ferreira, Andrew Sanchez, Carl Robertson, Jack Hermanson et Kevin Holland. Donc Voilà, les deux noms c'est. qui sont parlants, c'est Hermanson et Holland. Donc, Voilà. mais un Kevin Qui bat Holland les deux à la décision. qui bat les deux à la décision sur ses deux combats en 5 rounds, parce que c'est les deux seuls combats qu'il a fait en 5 rounds à l'UFC. Décision unanime. Donc l'un qu'il a dominé sur en boxe, Hermanson, et au sol, parce que Hermanson c'est plus quelqu'un qui va aller chercher, qui va être fort en grappling. Et pour le coup, il a montré que malgré ça, bah, il dominait le jeu. Donc ça explique pourquoi il n'a jamais été soumis, parce qu'il il s'est fait attaquer en clé de jambe et tout ça. Enfin bon, il est toujours sorti de tout, il a toujours été dominant, même sur les phases de lutte, parce que il a montré que sa lutte avait continué de Ouais. progresser. En fait, c'est sur ce combat-là, véritablement, qu'on voit que sa lutte a continué de progresser. Et Kevin Holland, en fait, il a profité comment dire, des indications à suivre pour le battre, puisqu'il sortait d'une défaite, justement, il s'était fait dominer en lutte, et bah sa stratégie, très clairement, ça a été de faire la même chose. Et il l'a dominé aussi, enfin, honnêtement, debout, ça, il a je saurais pas dire s'il a dominé ou pas, mais en tout cas, Kevin Holland, qui sur le papier est bien meilleur que lui en boxe, l'a pas véritablement touché, Non. et donc de toute façon, ça a été très rapidement, il a su très rapidement casser la distance. C'est pour ça que je ne saurais pas dire si véritablement il a dominé ou pas, parce que très rapidement il cassait la distance en fait pour l'amener au sol. Sa En fait, domination a été il l'a pas plus au sol. dominé, mais il n'a pas été dominé non plus. Et on pourrait croire en regardant le combat que Kevin Holland, sur les phases de striking, il a dominé, mais parce que Kevin Holland, il a un style un peu foufou. Il envoie dans tous les sens, etc. Ouais. Mais il le touchait pas forcément. Non, non, à quelques exceptions près où vraiment il a mis de bonnes séances, enfin de bonnes séries, pardon. Sinon, le reste du temps, de toute façon, ça. En fait, la boxe de Vettori, c'était plus pour casser la distance et venir au contact et dominer au sol. Ouais, par round, il dominait entre 3 et 4 minutes sur les 5 minutes, ce qui est énorme. Ouais, mais Ce qui est énorme. de toute façon, il y avait plus de phases au sol que de phases debout dans ce combat. Ouais. On reviendra dessus parce que justement, c'est sur ce combat-là aussi qu'on a vu des différences sur le Vettori, sur la boxe de Vettori aujourd'hui par rapport à celle qu'il avait face à Adesanya. On voit des choses différentes, mais on va revenir dessus. Donc classique, on va commencer une nouvelle fois par la boxe. Honneur au Ouais. champion. Ça te va? Ouais.
Eh bien, Adesanya. Bah écoute, c'est assez simple, hein, il sait tout faire. On Ouais. l'a, on, de toute façon, on l'a déjà analysé à Adesanya, bah justement sur son combat contre Blakovic. Ouais. On va pas en parler mille ans sur son striking, il sait tout faire, il s'est engagé, il s'est boxé en reculant, il a un gros travail de fin, qui boxe, il a à l'aise des deux mains. Il n'y a pas 10 000 choses à dire. Hein. Ouais, bah on va en reparler quand même pour ceux qui ont pas, pour nos nouveaux auditeurs, tu sais, qui n'ont pas écouté le précédent podcast. Mais c'est vrai, quoi, c'est un boxeur d'élite de toute façon. Il a boxé, bon, bah, on sait très bien, hein, Desania, il vient de la boxe, hein, donc kickboxer. Il a fait de la boxe anglaise aussi, il a combattu dans les deux. Il a 60. Attends, combien il a de victoires? Par contre, j'ai pas repris ses victoires en boxe. Mais en tout cas, il est énorme, il a 5-1 en anglaise. En kickboxing, il Je est. sais, de toute façon, c'est simple. Cumulé MMA, boxe anglaise et kickboxing, il est à 100. Oui, c'est ça, mais je crois que c'est 100, soit. 100 victoires, il me Il a semble. 75 victoires, je crois, en kickboxing. Ouais, c'est quelque chose comme ça. 5 victoires en boxe anglaise, et puis après, le reste, c'est en MMA. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, il sait tout faire, quelle que soit la garde, en attaque et en défense, parce que, comme on avait dit lors du podcast face à Blakovic, souvent les gens qui arrivent à switcher de garde sont très bons dans leurs attaques, mais ils peuvent mettre des brèches dans la défense, parce que c'est très compliqué de gérer, parce que finalement, quand on change de garde, les armes de l'adversaire s'inversent, et donc c'est des fois plus dur de défendre. Quand les armes de l'adversaire s'inversent, forcément, parce que là où tu es fermé dans ta garde, tu deviens ouvert quand tu switches de garde. Lui, ça ne lui pose Ouais. aucun problème. Il est très mobile, il a des bonnes esquives de toute façon, des bons retraits de buste. Enfin, on sent qu'il est vraiment très bon, et sa particularité, c'est qu'il sature les adversaires de feintes. En fait, il envoie énormément de feintes, de feintes, de feintes, ce qui lui permet de prendre des informations, de lire la boxe de son adversaire sur les premiers rounds, pour ensuite analyser tout ce qu'il a lu et s'en servir pour venir mettre KO ses adversaires. Parce que c'est pas un puncher véritablement, c'est pas quelqu'un qui va t'éteindre sur un coup, c'est pas comme un Ngannou qui va venir et qui va te sécher. Mais par contre, c'est un boxeur qui est en volume, qui a un gros volume de frappe, et c'est comme ça qu'il cherche le KO. En fait, comment dire, il détourne l'adversaire. En fait, il porte l'adversaire, l'intention de l'adversaire sur de multiples niveaux et à de multiples endroits. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu tiltes. Tu sais, il va réussir à connecter la frappe qui va faire tilter. C'est Ouais, vraiment c'est ça. ça. Donc voilà, donc c'est vraiment une très belle boxe. Enfin, c'est ce qui l'a conduit à 15 KO, comme on a dit tout à l'heure, sur 20 victoires. C'est énorme. Donc voilà, non, pour le coup, on a vraiment un combattant C'est d'exception. ce qui se fait de mieux à l'UFC, hein. En striking, pour moi, c'est là, on est vraiment dans l'élite. Ouais, vraiment, pour le coup, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le verra tout à l'heure, mais qu'il ne cherche pas autre chose que sa boxe. En sachant que sa lutte, finalement, c'est une lutte défensive. On ne le verra jamais, à moins qu'il nous surprenne. Parce que j'ai vu dans sa préparation, il faisait des arrachés, des trucs comme ça, mais je pense que c'est plus pour le cardio que pour autre chose. Que, tu sais, pour travailler son Ouais, musculaire et c'est de son la prépa cardio, c'est de la physique. prépa physique, qu'autre chose. Parce qu'on ne le voit pas vraiment lutter. Par contre, on voyait les phases de défense de lutte. Tu vois, il travaille énormément ses phases de défense de lutte. Je pense que de toute façon, il aura mis l'accent là-dessus suite à son combat contre Blakovic. Mais justement, on y reviendra, mais j'ai vu une vidéo où je me dis qu'il a mis l'accent dessus, mais à la fois peut-être pas sur la bonne chose. Parce que je le voyais beaucoup défendre à la cage et pas défendre en combat. Alors, tu vois, on en reparlera quand on parlera On de en la lutte. reparlera. Exactement. Et donc voilà, donc c'est pour ça en tout cas qu'il cherche à rester debout, parce qu'il a toutes les armes en fait pour dominer les adversaires debout. Et tu l'as dit tout à l'heure, il a affronté des combattants d'exception, Yoel Romero, Paulo Costa et tout ça, et il les a eu debout. Enfin, c'était des lutteurs, il a affronté des lutteurs qu'il a complètement réussi à surclasser grâce à sa boxe, qui pour le coup, et ils n'ont pas réussi à mettre en place leur lutte. Bon après, Maintenant. Costa, moi Costa, je le vois plus comme un striker. Hein. Oui, c'est un striker, mais il, très clairement, il, Mais dans il est potentiellement, il peut l'avant-combat, t'amener au sol. voilà, dans l'avant-combat, son idée, c'était de l'amener au sol pour le soumettre. Tu sais, il y avait eu toute cette histoire avec la ceinture La blanche ceinture de contre la JB. ceinture noire, tu vois ce que je veux dire?
Et donc, il avait dans l'idée, je pense, de l'amener au sol. Tu vois? Et donc, Ouais. il n'a pas su le faire. Il n'a pas su le faire. Après, on y reviendra sur l'état d'esprit, sur la confiance, sur ces trucs-là. Enfin, tu vois, quand on sera en dernière partie. Mais je pense que s'ils n'ont pas réussi à l'amener au sol, c'est pour d'autres raisons qu'une mauvaise lutte ou une bonne gestion d'Adesanya. Tu vois, pour le coup. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour sur sa boxe. On peut passer à celle de Vettori. Donc, c'est une boxe chez Vettori qui devient de plus en plus propre, finalement. On sent qu'avec le temps, il évolue dans sa boxe et elle est moins, y a moins de fioritures. C'est ce que je Ouais. disais Bon, tout à l'heure. déjà il est gaucher. Déjà, il est gaucher, ce que tu disais. Et effectivement, au début, quand on voit l'évolution entre le premier combat d'Adesanya et le combat qu'il a fait contre Kevin Holland, il y a une évolution dans sa boxe qui est très claire. Mais qui forcément ne sera peut-être pas. Comment dire? Avoir une boxe plus propre, ça ne veut pas dire avoir une boxe plus efficace pour certains combattants. Tu C'est vois? ça. Parce que des fois, avoir une boxe qui est difficile à lire, ça crée plus de brèches et plus d'ouvertures. Et ça surprend plus que quand justement on a une boxe académique. Face à un boxeur comme Adesanya, une boxe académique, c'est complètement quelque chose qui va dans son sens à lui. Dans le sens où il aura beaucoup plus de facilité à lire la boxe. De quelqu'un qui a une boxe académique mais moins bonne que la sienne, qu'une boxe qui part un peu à volo et qui part de partout. C'est ça, de toute façon, tous ceux qui pratiquent, ils ont déjà vécu ça. Quand on est contre un débutant, c'est des fois on prend des coups qu'on ne devrait pas prendre en fait. Parce que il utilise des angles, il fait des choses auxquelles on s'attend pas. Exactement. Alors bon, Vettori, c'était pas un débutant, mais voilà, il avait. On sent qu'il avait pas une boxe. Il avait pas du tout une boxe orthodoxe, quoi. Vettori? Ouais. Ouais, Oui, dans le premier dans combat. le premier combat, effectivement, en fait, il envoyait beaucoup ses jambes. Beaucoup ses jambes. Ce qu'il fait moins aujourd'hui, il envoie plus d'anglaises. En tout cas, c'est ce qu'il a fait contre Kevin Holland. Il envoie toujours ses jambes, mais beaucoup moins qu'avant. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que il avait une boxe qui ressemblait un petit peu à celle de Błachowicz, parce qu'ils sont gauchers tous les deux. Et tu vois des similitudes dans leur boxe. Même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que il envoie essentiellement le low kick de sa jambe avant, ce qui, quand tu es gaucher, est une bonne chose puisque tu viens frapper l'extérieur de la cuisse de la jambe avant en fait, de ton adversaire. Et ça, il le faisait énormément dans son premier combat contre Adesanya. Donc, sapé avec son low kick de la jambe avant. Et il envoie le high kick de la jambe arrière, tout en Ouais. envoyant aussi son poing arrière. C'est ce qu'on disait tout à Ouais, c'est l'heure. ce que tu disais au début. Ouais. Et sur son anglaise, finalement, et ça n'a pas changé, il fait très souvent la même chose. Mais vraiment très souvent la même chose, c'est qu'il Mais envoie. il fait tout le temps la même chose. Ouais, mais même en faisant tout le temps la même chose, c'est quand même quelque chose qu'il fait très bien, parce que tu sais, tu pourrais croire que quelqu'un qui fait justement toujours le même enchaînement, mais c'est facile à contrer. Tu vois? Mais c'est pas le cas avec lui, parce que même s'il envoie toujours en fait son bras avant suivi de son bras arrière sur une ligne directe, puisqu'il boxe en ligne directe, sur des directs, il varie en fait son jeu du jab. Et c'est ça qui change tout. Alors, des fois, il va envoyer son poing arrière en premier, comme le fait Błachowicz. Donc, il va envoyer de très loin, tu vois, il va y aller, mais parce qu'il Mais va en fait, chercher à casser il cherche à casser la distance. il a le travail classique du gaucher où il vient contrôler la main avant, donc avec sa main avant à lui, C'est ça. pour empêcher l'adversaire de lancer son jab, ce qui fait qu'il a juste à décaler son pied Sur sur l'extérieur. l'extérieur pour s'aligner et envoyer sa gauche. Voilà. Mais le truc, c'est que ce qu'il fait intelligemment, c'est qu'il ne fait pas que ça. C'est-à-dire que soit il envoie le jab, soit il envoie un crochet. Et son crochet, en fait, s'apparente au fait de chasser la garde. Finalement, c'est pas un vrai crochet. C'est il chasse la garde avec son Ouais. crochet. Ou soit il fait les deux. C'est-à-dire qu'il envoie le jab suivi du crochet. Et c'est pas à ce moment-là qu'il décale. Quand tu regardes bien, et c'est ça où je comprends pas que les adversaires n'ajustent pas, c'est qu'il est déjà décalé. Il est tout le temps décalé. Son pied avant est toujours à l'extérieur du pied avant de l'adversaire. Ce qui fait que même quand il envoie sa gauche seule, il touche quand même. En fait, son poing traverse la garde à chaque fois de ses adversaires parce que justement, il a ce léger décalage de corps qui fait que il ne touche pas la garde, il ne tombe pas dans la garde, il vient percuter l'adversaire.
Ouais, et en plus, très souvent, il avance, il continue d'avancer, et encore avec sa gauche. Tu sais, des fois, il l'envoie 2, 3 fois d'affilée sa gauche, Oui, bien sûr. en avançant. Et c'est là, après, qu'il vient saisir, ça lui permet de rentrer au clinch. Mais des fois, il double, il triple sa gauche en ligne. C'est ça. Et il le fait très bien. Et plus on avance, et on l'a vu contre Kevin Holland, et plus son jab devient précis. En tout cas, devient efficace. Donc, et on le voit de toute façon, lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment à casser la distance. Et sa boxe ne lui sert qu'à casser la distance. Donc ça, c'est sur son attaque. Son attaque, donc, finalement, elle est simple, mais efficace. Et Mais en plus, malgré son manque d'allonge, il touche quasiment tout le temps. Il est très ouais, précis. je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout à l'heure on disait que voilà, il y avait 2,03 m d'allonge et 1,88 m d'allonge. Et pourtant, lors du premier combat, il a quand même touché très souvent Adesanya. Parce que dans les phases debout, il a pas été ridicule. Il était loin d'être Non. ridicule. Et surtout, donc, ce qui m'impressionne le plus chez lui, ce n'est pas son, enfin, c'est déjà son attaque pour les raisons qu'on a dit, mais c'est sa défense. Finalement, il a une très bonne défense et il prend peu de frappes. Et quand il les prend, de toute façon, c'est un mur. Ouais, mais parce qu'il les prend pas de Ah, plein fouet en ah, fait. Tu vois, il a toujours ce petit. Alors, il en prend, il y en bien a sûr. quelques-unes qui prennent plein fouet et c'est impressionnant parce Oui, que ça, même pas, il il bouge bronche. pas. Il bronche C'est pas, Money il c'est continue à Terminator. avancer. C'est ça. C'est le T-1000, Mais tu sais. il a une manière de se placer qui fait que non seulement quand on voit par exemple un jab, il va prendre ta frappe en bout de course et en même temps lui arrive à la contrer. Tu vois, Exactement. en ligne. Alors que pour toi, il a moins d'allonge. Il a un Tu te dis excellent que coup d'œil. les deux, si les deux tendent le bras, logiquement, lui, il ne devrait pas toucher. Et pourtant, il arrive quand même à toucher. Exactement. Non, non, il a un excellent coup d'œil. C'est impressionnant. C'est-à-dire que. Et pas toujours de la même manière. Enfin, quand il fait sa défense, c'est pas toujours la même. Soit il fait juste un retrait de la tête. C'est même pas un retrait du buste. C'est un retrait de la tête. Ce qui fait que. C'est pour ça qu'il arrive à contrer et que son allonge n'a plus d'importance. Son manque d'allonge, entre guillemets, par rapport à un Adesanya n'a plus d'importance. Parce que quand tu fais un retrait du buste, il faut que tu repartes de loin. Ce que fait Ouais. Adesanya, souvent il fait un retrait du buste et il profite de son allonge parce qu'il peut repartir de loin puisque justement il a l'allonge. Lui, juste, il fait juste ce petit retrait de la tête un peu à la McGregor, entre guillemets, tu sais, finalement. Et derrière, il renvoie sa gauche. Ou alors, il vient juste tourner sa tête et présenter son épaule, ce qui fait que soit la frappe vient juste l'effleurer, soit elle vient percuter l'épaule et derrière, pareil, il renvoie sa série d'attaques. Ouais. Et c'est super bien fait. Alors c'est vrai que effectivement il a pris beaucoup de low kick et tout ça, mais c'est un mec dur au mal. Ça se sent. Il est dur. Et dans la durée, il tient le choc. Et finalement, quand on regarde en fin de combat, il n'est pas trop endommagé. Il en a. Il a souvent le nez qui prend. Tu vois, il saigne souvent du nez parce qu'effectivement, il peut pas toujours tout bloquer ou tout esquiver. Tu vois. Mais il en prend pas suffisamment pour être KO. Et face à justement un Adesanya sur le premier combat, même si la boxe d'Adesanya. En fait, je suis partagé parce que la boxe MMA d'Adesanya, elle a progressé, mais sa boxe, elle n'a pas progressé, c'est toujours la même. Tu prends ton premier combat, tu prends ton dernier combat. Le mec, en soi, il n'a plus vraiment de choses à apprendre en boxe. Enfin, tu progresses toujours. En fait, ce qui fait sa force, c'est qu'aujourd'hui, il a moins d'appréhension de la lutte. Ce qui fait qu'il peut J'allais y venir. développer sa boxe plus facilement. Mais sa C'est boxe est exactement ce que toujours j'allais la dire. même. Sa boxe est toujours la même. Sa boxe est toujours la même, mais du coup, je pense qu'il s'engage un peu plus dans ses coups. Tu vois, il est moins sur le fait de forcément ressortir et il a plus confiance en sa lutte. Il sait qu'il peut défendre. Il sait que techniquement, déjà, contre Vettori au premier combat, il pouvait défendre. Il nous l'a montré. Là, je pense encore plus. Il a encore plus progressé. Ce qui fait que sur ses coups, je pense qu'il est plus dur. Il est plus ancré au sol, il fera plus fort. Alors, c'est la même boxe, Ouais. mais le fait qu'il craigne moins les amener, ça change pas mal de choses. Oh, mais non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça qui changera tout en fait dans ce deuxième combat. Mais à la fois, ouais, comme je te dis, y a pas eu de gros changements. Donc, je pense que si jamais il n'arrive pas à connecter durement, parce que finalement, comme il l'a pas énormément touché Vettori. S'il n'arrive pas plus à le connecter avec sa boxe, tu vois, enfin parce que il serait gêné par les esquives de Vettori, ça ne changera pas grand-chose en soi. Tu vois, en tout cas Ouais. sur le fait de le mettre KO, tu vois, d'avoir plus de chances de le mettre KO.
Et qu'est-ce que je voulais dire sur ben je ne sais plus, ça reviendra. Plus forcément de chances de le mettre KO, on verra. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi face à Błachowicz. Enfin, tu sais, tu sens que face à des gauchers, tu sais qu'ils boxent, peut-être qu'il a aussi un peu plus de mal, tu vois. Même s'il change de garde et tout ça, il a peut-être un peu plus de mal parce que quand tu regardes sur des gauchers qui sont en ligne directe comme Błachowicz, il a quand même pris beaucoup de dommages. Alors après, c'était pas la même allonge, c'était pas la même puissance, tu vois. Ça joue. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir aussi face à Vettori ce que ça va donner. Mais à Après, mon. y a un autre point pour revenir sur Adesanya, comme Ouais. on parle un peu des deux là. Tu disais au début que c'est le mec analyse tout, c'est un ordinateur, quoi. Ouais. Le fait qu'il ait affronté déjà Vettori, ça change pas mal de choses. Parce que Vettori en soi, il a progressé sur les choses qu'on a énoncées, mais foncièrement, il va faire la même chose en fait. En tout cas, en striking, il va faire plus ou moins la même chose. Tu vois, son travail de Oui, la bien gauche, sûr. ça va être le même. Adesanya, je pense qu'il le sait, il a travaillé en conséquence, il n'y a pas de surprise dessus. Donc, il a cet avantage, et en plus, je pense qu'au niveau du punch, il va clairement plus le respecter. Je pense qu'il sait qu'il a pris ses frappes de toute façon, il sait qu'il peut plus ou moins les encaisser. Oui, mais ça, je pense qu'il l'avait compris déjà dans le premier combat. Enfin, honnêtement, même il suffit de regarder son palmarès de KO. Tu vois, et je crois qu'il en a pas mis depuis. En fait, je crois que c'est dans les victoires. Je crois qu'il avait déjà ses deux KO quand il a affronté Adesanya. Je suis pas sûr qu'il ait mis Oui, KO. il n'en a Ouais, non il a non, pas mis de KO. Il il a a mis eu des que des soumissions. décisions après Adesanya, juste une Une soumission, soumission, indépendamment ouais, de voilà, l'autre. c'est ça. Donc il était déjà au courant du fait que ce soit pas un puncher. Et c'est ça que je voulais dire, parce que tu parlais tout à l'heure, il a su défendre sa lutte, il a su défendre la lutte au début. Là, on va venir à la partie lutte. Vettori, de toute façon, enfin, si t'as plus rien à dire sur la boxe de Vettori, mais. Non, mais en tout cas, bon, si on doit donner le point pour le striking, c'est Adesanya. Oui, de toute Ça, façon, je pense qu'il n'y a pas. y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et le seul truc que j'ai dit, pour ce combat, moi j'ai dit avantage à Adesanya, mais attention, les dégâts ne seront peut-être pas suffisants, tu sais, pour le mettre KO, à cause de sa défense. Tu vois, voilà. Mais donc, on commencera avec la lutte d'Adesanya, mais juste pour finir sur ma lancée, Vettori a su faire évoluer sa lutte dans le combat. C'est-à-dire qu'au début, il défendait sur des. Parce qu'il essayait de clincher à la cage et de faire des crochetages. En fait, il s'est dit, voilà, faut que je le colle, je vais le crocheter. Et après, il a changé sa lutte. Et il est descendu dans les jambes. Tu vois? Ouais. Et en fait, il a profité, il a lu les déplacements d'Adesanya. Et ce qui a fait qu'il a changé son timing sur sa lutte et qu'il a réussi à l'amener au sol. Donc, c'est-à-dire que Vettori aussi, dans sa lutte, il a une intelligence. Et il s'est ajusté dans le combat. Je pense que Vettori quand même analyse aussi les combats. Tu sais, il a peut-être pas le meilleur fight IQ du game, mais je pense pas que ça soit un mec bête et méchant. De toute façon, t'arrives pas là, t'arrives pas dans le top 3 d'une catégorie en étant bête et méchant et en faisant toujours la même chose et en ne sachant pas faire évoluer ton jeu d'un combat ou un autre, même dans le même combat. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr, oui, bien sûr. Donc, la lutte, Adesanya, mon cher Adesanya. Pas la peine de parler de ses attaques, il n'y en aura pas. Bah c'est ça, on va parler de sa lutte défensive. Exactement. Qui est très bonne. Et qui est bien meilleure de combat en combat. Ouais, bah en fait, il a la parfaite palette du striker qui se met au MMA et qui défend les amener au sol, quoi. Donc ça commence par des super déplacements, parce que c'est sa première ligne de défense, en fait, hein. Ouais. C'est son travail de déplacement. Après, il a tout son travail où il vient quand l'adversaire rentre avec l'avant-bras au niveau de la gorge pour désaxer. Il a le travail, il a bien compris le système des underhooks, les bras sous les aisselles pour sortir. Pour Donc sortir et tout pour ce qui. empêcher l'adversaire de descendre au niveau des hanches. Il a Ouais, une, c'est il ça. a, il arrive très bien en fait à remonter l'adversaire pour qu'il reste en ligne haute et pour ensuite pouvoir justement avoir la mobilité pour bouger à droite à gauche. Et pour pas qu'il ferme le body lock, qui ferme ses mains dans son dos, en fait. Le fait d'avoir les deux bras sous les aisselles, ça l'empêche de fermer les mains dans son dos. Là où Vettori est très fort, d'ailleurs. Oui. Et donc, il a, en fait, c'est ça. Il est excellent en défense. Alors, c'est pas un lutteur olympique, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Exactement. Le truc, c'est que par contre, ce qu'on remarque, c'est que, en fait, il est très fort, mais toutes ses défenses de lutte sont sur de la mobilité. Une ultra-mobilité, en vrai. C'est-à-dire que tu l'as dit, c'est soit des déplacements. Quand il est collé à la cage, il va chercher, en fait, à faire du droit de gauche. Tu vois, enfin, vraiment
à orienter l'adversaire, par exemple, en poussant à droite pour ensuite tourner à gauche et ensuite pouvoir s'échapper. En fait, il cherche à sortir du ring, en fait, hein, c'est vraiment ça. Et quand il est amené, il va rouler, il va faire des scrambles en fait où il va chercher en fait à rouler, tu sais, à faire des roulades, des trucs comme ça pour avec sa grande envergure faire lâcher les bras et pouvoir se relever. Il va chercher à fuir. En gros, tout est dans le déplacement. Tu vois, tu ne verras pas forcément faire un sprawl. Ouais. Tu vois, c'est en fait le problème que j'ai avec la défense et j'espère qu'il va justement gommer toutes ces failles qu'il a, c'est ce qui a conduit en fait finalement à sa défaite face à Blachowicz aussi. C'est que je pense que quand plus le combat est dur face à un lutteur qui va après va le harceler, plus il a des chances de tomber parce que la barre d'énergie va descendre et parce qu'au bout d'un moment il n'aura plus la capacité de défendre. Étant donné que tout est dans la mobilité, il a besoin d'être frais. Tu vois? Et Ouais. donc je pense que sur du long terme, au bout d'un moment, on va entamer ses défenses de lutte, on va entamer ses défenses de lutte, et surtout quand il se fera amener au sol, plus il va être fatigué, moins il va réussir à se relever. Parce que même au sol, quand tu regardes bien, c'est pour se relever, il est encore une fois dans la mobilité. Il va chercher à faire un petit crochetage en papillon. En fait, il crée une action-réaction qui lui permet de fuir. Tu vois? Mais ça ne marche que quand tu es frais. Et le problème que j'ai avec Adesanya, et qui, je pense que si c'est capté par un adversaire qui a la capacité de bloquer assez sa boxe, en fait, pour pouvoir le mettre en place, et d'avoir une assez bonne lutte pour pouvoir le mettre en place sur du long terme, en plus, surtout sur des combats en synchrone, c'est que tout est énergivore dans son style. Alors, il est toujours très bien préparé physiquement, mais tout est énergivore. Sa boxe, il est tout le temps en déplacement. Tu vois, il fait beaucoup de mouvements de tête, il se déplace à droite, à gauche, il recule, il fait des déplacements en L, tu vois. Il revient, il avance, il recule, il fait beaucoup de feintes. Ce qui fait qu'il met beaucoup d'énergie dans sa boxe. Ouais, il est tout le temps en mouvement, il kick beaucoup en Il kick plus. Les beaucoup. kicks, ça dépense beaucoup d'énergie. Voilà, mais là, il est encore à l'aise parce que c'est un style qu'il connaît. En fait, on a toujours un meilleur cardio dans le style qu'on domine. Tu vois, un lutteur, il pourra faire 5 rounds à lutter, ça lui posera pas de problème. On l'a vu, Vettori, Holland. Il a fait 5 rounds de lutte, et même si, comme tout combattant, au bout de 5 rounds, il était essoufflé, il a tenu ses 5 rounds en lutte. Un Oh, il était à boxeur, l'aise, hein. voilà, un boxeur, il va faire 5 rounds en boxe, ça va pas poser de problème. Mais si quelqu'un arrive à le coller à la cage, et à le fatiguer, et après à l'emmener, et après, au fur et à mesure, même si au début, dans les premiers rounds, il se relève, au fur et à mesure, il ne se relèvera plus. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a le poids qui a joué contre Blachowicz. Mais je pense aussi qu'il a été intelligent de le coller à la cage pour l'épuiser dans les premiers rounds, dans les trois premiers, pour l'emmener ensuite dans les deux derniers. Et une fois qu'il arrivait à l'emmener dans le timing, c'est-à-dire là pour le coup c'était plus collé à la cage, mais c'était sur de la réaction à une phase soit que lui avait engagé en boxe, soit que Adesanya avait engagé en boxe. Et une fois que c'était au sol, la pression qu'il mettait faisait que il ne pouvait plus se relever parce qu'il était mobile, Blachowicz, sur son sol. Tu sais, il passait la demi-garde, mais sans trop en faire. C'était plus Ouais. ajuster ses contrôles pour pouvoir continuer à frapper. Il n'a pas cherché à le soumettre. Finalement, je ne pense pas qu'on verra forcément un Adesanya qui se fera soumettre, mais qui se fera dominer sur du ground and pound. Tu vois? Je suis assez d'accord. Et c'est ce qui s'est passé quand tu regardes Vettori contre Holland. C'est ce qui s'est passé. Il n'a pas cherché à le soumettre. Il a cherché, parce que pareil, Holland, il est pareil, il est un peu longiligne comme Adesanya, donc ils prennent appui sur la cage, ils se retournent, ils cherchent à créer des espaces, en fait, grâce à leur envergure, pour essayer de se relever. Et très intelligemment, il passait de la garde en pression à la demi-garde, et il balançait du ground and pound, et du ground and pound, et du ground and pound, sans chercher forcément à le finir. Mais finalement, en fait, tu as l'impression que tout le monde s'est un peu inspiré d'Ousmane, de Kamaru Ousmane. Quand tu regardes au sol, finalement, Vettori, sur son Ouais, combat c'est ce contre qu'il Holland, fait. il fait exactement ça. Il vient, il amène au sol, ground and pound. Quand Kevin Holland, il commence à se relever, il continue à rester au contact, il le ramène au sol. Il est dans la garde, il passe juste la demi-garde, ground and pound. Il cherche même pas à aller plus loin que la demi-garde.
juste ce qu'il faut pour fatiguer et épuiser et créer du dommage, du petit dommage, tu vois. Mais il y a quand même le médecin qui a été voir son œil et tout ça. Et ça, c'est pas debout qui lui a fait. C'est au sol. Tu vois? Ouais. Donc le problème, c'est qu'avec les défenses en lutte d'Adesanya, même s'il est très, très prêt physiquement, quelqu'un qui ne respecterait pas sa boxe, et on y reviendra après, toujours, je le garde pour après ça, mais quelqu'un qui respecterait pas sa boxe et qui avancerait sur lui, qui chercherait forcément à l'amener au sol, peut, sur 5 rounds, le fatiguer au point qu'il n'ait plus la possibilité, la barre d'énergie pour pouvoir, d'une part, défendre la lutte et encore moins se relever. Ouais, Tu vois? c'est vrai. Donc voilà, donc il faut espérer qu'en fait le combat, son précédent combat, lui ait permis de corriger ses failles. Mais étant donné qu'il combat très fréquemment, en fait il combat très régulièrement, quand tu regardes bien Adesanya. Oui, il combat beaucoup à des années. Et est-ce qu'il a vraiment le temps de prendre le temps, tu vois, de corriger ses erreurs? C'est ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit, ouais, il va en profiter, il a perdu parce qu'il s'est passé ça, les autres vont s'en servir, vont s'appuyer dessus, mais est-ce qu'il a pris le temps véritablement de corriger ça? Et quand j'ai vu effectivement son fight camp, là, j'ai regardé une vidéo qui durait 8 minutes où tu le voyais un petit peu faire un bout de camp. Bon, on voit rien, hein, on voit pas grand-chose. Mais les phases qu'on voyait, c'était effectivement une prépa physique où il arrachait des mecs, tu sais, mais juste sans les faire tomber. Sinon, il faisait des souplesses arrière sur les mecs, il les enchaînait, il faisait des souplesses arrière, mais sur des mecs qui ne défendaient pas, tu vois, ils étaient dos à lui, bon, il faisait des souplesses arrière. Et après, c'était collé à la cage, il venait, il cherchait en fait à les redresser, à les remonter, à mettre les bras sous les aisselles, tu vois, à faire son travail justement pour l'empêcher de venir aux hanches, tu vois. Ouais. Mais malgré ça, tu voyais quand même sur les bouts de combat des mecs qui arrivaient à y descendre à ses hanches. Et tu vois, qui était peut-être moins bon que Vettori à ce sujet-là, tu vois, sur ce sujet-là. Ouais, mais on en a déjà parlé, ça Bien signifie rien. sûr, ça ne signifie rien parce qu'on voit presque Si rien. le mec a fait 3 heures de sparring avant et que la vidéo est filmée à ce moment-là, c'est normal que le mec lui attrape la hanche. On est d'accord, on est d'accord. Là-dessus, on est entièrement d'accord, on le sait très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, bon, tu montres ce que tu as envie de montrer, mais je ne suis pas sûr qu'il ait mis l'accent vraiment sur la lutte et qu'il ait eu, tu sais, comme un Ngannou, par exemple, on va prendre cet exemple-là parce qu'il est très parlant, quand il a eu sa première déconvenue face à Miocic, tu vois, parce qu'il s'est fait amener, il a vraiment pris à bras le corps de venir et de travailler sa lutte, tu vois, et il a pris le temps de la travailler. Et surtout, après, il n'a pas pris des combattants qui forcément allaient l'amener plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Il a pris le temps de la travailler. En fait, je pense pas que ce soit le meilleur des match-up pour Adesanya, ce combat contre Vettori. Tout de suite après avoir pris Blakovic et cette défaite face à Blakovic. Ouais, mais bon, après, en fait, on peut pas, là on préjuge de choses, mais on peut pas savoir si c'est le poids contre Blakovic qui a joué ou si c'est le style. Tu vois, c'est vraiment une question, c'est l'inconnu là. Oui, bien sûr. À quel point le poids a joué? Le poids, le poids et la puissance de frappe, parce que Et la finalement, puissance. ça a bloqué une partie de sa boxe, C'est ça. entre guillemets. Mais quand même, ça a donné des indications, en tout cas sur comment mettre en place sa lutte sur la longueur du combat. Tu vois? Parlons Vettori. Vettori donc, bah, excellent lutteur. Tu vois, pour le MMA, hein, Ouais, toujours, encore une ouais, fois, ouais. on parle quand on dit excellent lutteur, je ne dis pas qu'il ira faire les Jeux Olympiques en lutte, mais en tout cas pour du MMA, force est de constater que chaque adversaire qu'il a affronté, il l'a mis au sol. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas de secret. En fait, pourquoi une lutte en MMA? Parce qu'il avance avec sa boxe, comme on a dit tout à l'heure, pour venir ceinturer l'adversaire à la cage. Finalement, il met énormément de pression. En fait, c'est un combattant qui recule jamais. C'est un pitbull. C'est un truc qui m'a marqué quand j'ai revu ses combats, c'est que soit il avance, soit il reste à sa place, mais il ne recule pas. Il a beau prendre le parpaing le plus fort du monde, il ne recule pas. Il avance. Il a un orgueil de fou. Il est dans son truc où son objectif c'est de venir essayer de te coller à la cage. Il va venir, il va te coller à la cage.
Tu vois, c'est vraiment ça. Et quand il fait un retrait, il va pas reculer, il va faire un retrait et il va continuer sa marche avant. Et il l'a fait face à Adesanya lors du premier combat et il a continué à le faire face à ses autres adversaires. C'est épuisant, hein, de combattre un mec comme ça. Et bien sûr, parce que lui, c'est son jeu, donc il sait qu'il va le tenir sur les 3 ou 5 rounds. Tu vois, mais en tout cas, c'est voilà, grosse pression. La différence que j'ai vue face à Adesanya, tu vois, par exemple, à son premier combat, quand tu vois le combat contre Kevin Holland, c'est que par contre, il a fait évoluer ses amenées au sol. Tu sens que sa lutte, elle a encore évolué. Tu sais, ses différents combats. Et tu vois, le fait de combattre, tu disais qu'il n'avait pas affronté de grands adversaires tout à l'heure, on a fait les différents parcours. Des fois, c'est pas plus mal. Tu sais? Ouais, c'est sûr que si t'as des nouveaux trucs à tester, entre guillemets, c'est pas plus mal d'avoir des adversaires d'un niveau un peu moindre. Ouais, parce que tu peux prendre de l'expérience et mettre en place et effectivement continuer de faire évoluer ton jeu d'une manière plus intelligente, entre guillemets, sans prendre de risques. Et tu vois que sa lutte à la cage, elle a changé. Donc, c'est ce que je disais lors du premier combat. En fait, il venait ceinturer, ce qu'il fait très bien. Tu sens qu'il est très puissant là-dessus. Et il essayait de faire des crochetages. Tu vois? Ouais, crochetage intérieur. Ouais. Et quand tu vois contre Kevin Holland, à partir de là, il ne fait plus ça. Il descend au niveau des hanches, il vient ceinturer sous les fesses, grosse pression avec les poings contre la cage, et en fait, tout simplement, il vient, il tire l'adversaire et il le bascule. Ouais, mais tu sens qu'il est ultra puissant. Mais oui, et donc le truc c'est que c'est pas énergivore, que tu te chies moins si tu le rates, parce que tu es toujours en contact, tu vas pas tomber à genoux face à ton adversaire quand tu fais ça. Tu vois? Donc c'est une amenée au sol qui est beaucoup plus intelligente quand tu fais du travail à la cage. Donc ça déjà il est très bon. Il est aussi donc très puissant dans les défenses pour retourner là, en fait les attaques de l'adversaire contre lui. Quand tu Ouais. regardes, énormément de gens essaient de l'amener, mais peu y arrivent parce Il est que hyper stable. voilà. Il est stable et il va juste faire un petit pivot. Il va juste faire en sorte en fait de venir et de lui être au-dessus. Tu le vois rarement en dessous, presque jamais, finalement. Il est hyper stable. Franchement, c'est impressionnant. Il y a le combat contre Hermanson, où Hermanson, plusieurs fois, lui, il le chope en single leg. Mais bien, tu vois, il décolle la jambe et tout. Et il tombe pas. Non, il Il tombe tombe pas, il pas. a toujours ce petit mouvement de hanche ou de sautillement sur son pied d'appui qui fait qu'il reste debout, le mec. Et plus que ne pas tomber, souvent, c'est lui qui Ouais, finalement amène au sol. il contre. Tu vois, Il contre. il a un contre dans, il a des contres vraiment très bons. Et il a des bons scrambles et tout ça. Enfin, vraiment, pour le coup, il est très fort là-dessus. Et la dernière chose qui marque sur sa lutte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il lâche rien. C'est-à-dire que quand l'adversaire essaye de fuir, de se relever, il arrive toujours à être accroché à un bout de jambe. Dès qu'il a encore une saisie, il peut encore t'amener. Et c'est épuisant. Et finalement, donc vraiment, tu vois vraiment un parallèle. Alors c'est pas le même niveau, c'est pas le, tu vois, c'est pas le même combattant, c'est pas le même niveau, c'est voilà. Mais dans l'approche, il a un style à la Kamaru Usman. Vraiment pour le coup dans sa lutte. C'est pas la même chose parce que quand il est collé à la cage, il fait pas le même travail. Attention, hein, je suis pas en train de dire que Oui. c'est le même niveau et qu'on peut les mettre sur le même pied d'égalité. Mais je veux dire dans la logique, il fonctionne de la même manière pour le coup. Collé à la cage. Ouais, mais après, comme tout un tas de combattants de l'UFC, finalement, c'est un peu le mode, le style à la mode, c'est te plaquer à la cage et amener au sol à partir de là. Ouais, non mais je parle aussi Ça sur. devient de plus en plus rare de voir des mecs qui shootent comme ça dans les jambes. Oui, non mais je parle aussi sur le fait de pas te laisser te relever, tu vois. En fait, de t'épuiser parce que tu laisses pas relever. Il y en a plein qui font ça, qui amènent au sol, et puis quand ça se relève, en fait, ils vont se relever, et puis ils vont repartir à la boxe, et puis ils vont recoller à la cage, et puis, tu vois. Mais lui, pour le coup, il va quand même essayer de te ramener. Dès que tu vas essayer de te relever, si t'es pas assez bon dans le fait de ressortir et de te relever, comme avait fait par exemple un Masvidal face à un Usman, où il arrivait à prendre beaucoup de distance et arrivait à reprendre dans le premier combat, je parle, hein, qu'ils Ouais. avaient fait, où il arrivait à reprendre beaucoup de distance et arrivait à reprendre donc une phase où il repartait en boxe. Là, avec lui, c'est de la même manière. En fait, si tu n'arrives pas à faire ça, bah, il va te ramener au sol, encore une fois. Et il va te dominer sur les phases ensuite au sol, pour le coup, parce qu'il va te mettre énormément de pression.
tout en étant très bon sur ses défenses d'amener, enfin de soumission, enfin tu vois, il est très bon, tu vois. Pour le coup, il a une bonne lecture du jeu, même au sol, quoi. De toute façon, je crois qu'il est ceinture du Ouais. jiu-jitsu brésilien aussi. Donc Ouais. vraiment une bonne lutte et un bon sol, de toute façon ça fait tout. Quand t'as une boxe qui te permet d'aller jusqu'à ta lutte et que t'as une bonne lutte et un bon sol, tu vois, t'es très dangereux en vrai dans le MMA. Donc voilà, ouais, j'ai rien d'autre à ajouter sur sa lutte, mais en tout cas, pour le coup, là pour ce combat, l'avantage il est très clairement à Vettori. Parce que comme pour les raisons que j'ai expliquées, en fait, on aurait pu dire que, honnêtement, c'est pas parce que c'est un meilleur lutteur qu'il aurait l'avantage, parce que si t'as une très bonne défense, on peut te donner l'avantage. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Mais pour les raisons que j'ai évoquées de défense énergivore d'Adesanya, à mon sens, je sais pas pour toi, hein, mais pour moi, je vois quand même un avantage si jamais, sur la durée, Vettori arrive à imposer sa lutte. C'est lui qui gagnera ce combat, enfin ce combat, le combat de la lutte, hein, pour l'instant. On n'en est pas encore en pronostic, mais de combat de la lutte. Ouais, je suis d'accord. Je pense que si ça va sur 5 rounds, au bout d'un moment, il arrivera forcément à amener à des années au sol. Ouais. Maintenant, encore faut-il que ça aille sur 5 rounds. Encore faut-il que ça aille sur 5 rounds. Telle est la question. Et nous n'y répondrons pas tout de suite. De toute façon, moi Avec l'avantage lutte. je vois un match nul. C'est le mec qui se mouille pas. Avantage lutte, Vettori. Ouais, passons au sol. Bon, bah là, je crois que de toute façon, pareil, Adesanya, commençons par Adesanya. Il a de bonnes défenses, pour le coup, bah, parce qu'il n'a pas été soumis, hein, jusqu'à maintenant. Il s'entraîne chez Athos. Alors, on en avait Ouais. déjà parlé, de toute façon, de cette histoire-là qui. Adesanya a dit, on va le redire là, puisqu'on l'avait déjà dit, mais qu'il avait hâte qu'on l'amène au sol pour montrer son niveau au sol. Bon, bah, ça, c'est fait. Et pour le coup, Ouais. bon, bah, il n'a rien montré de spécial. Moi, je l'avais dit de toute façon quand on avait fait le précédent pronostic et la Oui, mais précédente je pense que analyse. tous les gens qui suivent plus ou moins le MMA s'attendaient à ça, tu vois. C'est de l'intox. On sait qu'il n'est pas au niveau, c'est pas un super grappleur. Par contre, il a une excellente défense, ça personne ne peut le nier. Oui. Sinon, il serait déjà fait finaliser. Il est très difficile à toucher même au sol. Tu vois, il prend peu de dégâts. Ouais. Au niveau du ground and pound, il bloque bien. Il se relève bien. Tant qu'il a de l'énergie, il se relève bien. Tant qu'il a de Après, l'énergie, voilà, il y a ouais. toujours cette notion d'énergie, mais tant qu'il est assez frais, c'est très difficile de le maintenir. Tu sais, il va C'est une reculer jusqu'à anguille. la cage. Dès qu'il a le dos à la cage, on l'a vu contre Vettori dans le premier combat. Dès qu'il a le dos à la cage, il se relève tout de suite. Mais vraiment, avec une facilité, c'est bluffant. Dès qu'il est assis à la cage, il se relève. Oui, non, Tu mais sens il que, est en très fait, dynamique. Adesanya, au-delà d'être explosif et tout, alors ça paraît bizarre avec son physique longiligne, mais il est extrêmement puissant. Il est super puissant. Parce qu'on voit quand Vettori est au contrôle à la cage contre lui, dès qu'il rentre un bras sous l'aisselle, il le renverse très facilement. Et pourtant, Vettori, c'est un bloc. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc il est super puissant, Adesanya. Ouais, mais les Après, combattants voilà, comme tu longilignes dis. puissants, tu vois, t'as un John Jones qui est pareil dans le même cas de figure, tu vois, qui est longiligne et qui peut développer beaucoup de puissance aussi, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais John Jones, il a aussi, là, il est quand même très technique en lutte. Tu vois, c'est un lutteur. Donc il a aussi cette faculté technique en plus d'Adesanya. T'en parlais tout à l'heure. Ouais. Adesanya, ce qu'il fait, ça, il joue beaucoup finalement, sur ses capacités physiques. Jones, en plus des capacités physiques, il a la technique en lutte. Il a le bon placement parfait, etc. Adesanya, tu sens que physiquement, il est super fort, quoi. Des fois, il prend son appui sur le pied quand il est dos à la cage. Il se relève, limite sur une jambe, t'sais, alors que le mec met tout son poids sur lui, il se relève. Oui, mais par contre, attention, je pense aussi que Adesanya ne concentre son travail en lutte que sur sa défense et que, de fait, il est aussi très technique parce que ce qu'il fait, c'est ses aptitudes, mais c'est très précis. Tu vois ce que je veux Oui, dire? bien C'est-à-dire que sûr, bien techniquement, c'est sûr. aussi très pointu. Tu vois? Donc, je pense sincèrement qu'il a une très bonne défense, même technique, sur ses défenses de lutte. C'est Oui, de juste. toute façon, s'il serait mal placé, si c'était que de la force, il serait amené. On Bien est sûr, d'accord. la force, au bout d'un moment, ça ne fait pas tout. Maintenant, on a vu que quand même, il avait des failles techniques, ce qui fait que, malgré la fatigue, que contre quelqu'un qui était plus lourd,
Tu vois, par exemple, contre Blakovic, il n'a pas su justement avoir la technique suffisante, puisque quand tu n'as pas la force, tu as la technique. Il n'a pas su avoir la technique suffisante, bon, sachant que Blakovic aussi est un monstre de technique au sol et en lutte, tu vois. Mais bon, voilà, il n'a pas su mettre en place ses sorties. Donc voilà, mais donc ouais, pour revenir à Athos, en tout cas, ouais, comme je l'avais dit lors du premier podcast, effectivement, c'est de la com. Effectivement, quand tu le vois, tu le vois tourner avec l'élite de chez Athos, qui le laisse tourner, mais tu vois que les mecs jouent avec lui. Enfin, il a un niveau, comme j'avais dit, puisque voilà, pour ceux qui n'avaient pas entendu le premier podcast, il est ceinture violette de jiu-jitsu brésilien, il la mérite, mais il mérite une ceinture violette de jiu-jitsu brésilien, non compétiteur jiu-jitsu brésilien. Donc, si vous pratiquez, vous savez très bien que, et de toute façon, quelles que soient les disciplines, que ce soit en judo, que ce soit en jiu-jitsu brésilien, que ce soit dans n'importe où il y a un système de grade, un compétiteur d'élite dans une discipline et un pratiquant lambda, entre guillemets, même si lui, c'est un combattant pro en MMA, C'est pas la discipline, c'est pas pareil. la ceinture n'aura jamais la même valeur. Vous prenez une ceinture bleue compétiteur en jiu-jitsu brésilien et un ceinture marron, même noir. Je vais même aller en bleu ou violette contre un ceinture marron ou noir non compétiteur, vraiment loisir, qui vient, qui s'entraîne. Il aura mérité sa ceinture marron, sa ceinture noire, parce qu'il aura la technique pour. Mais ça sera un monde avec un mec qui ferait les worlds en bleu ou violette, tu sais, et qui serait champion world bleu ou violette. Ouais, non, C'est mais pas du tout le même niveau. De toute façon, il n'y a qu'à mettre, ne serait-ce que n'importe quel combattant de l'UFC. Par exemple, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais Tyron Woodley, il a eu sa ceinture noire là, quand il était champion. Oui, quand Tu le mets, ouais. tu, voilà, tu le mets dans une compétition BJJF, tu le mets au World, en bleu, pour moi, tu vois, il fait rien du tout. Ouais, Même en non, bleu. mais très clairement, très clairement. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que quand on voit les combattants de MMA combattre, ils combattent au naga. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Parce qu'effectivement, c'est au niveau, tu vois, voilà, ils peuvent affronter de très bons combattants, mais ça reste à leur niveau. Ils vont pas faire un circuit BJJF. Donc voilà, donc il mérite sa ceinture violette, il est bon au sol, voilà, il l'a prouvé, il fait de belles choses, mais ça reste un combattant lambda, enfin ça reste un mec lambda. Donc c'est-à-dire qu'une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien en MMA et une ceinture violette, là on retrouve en fait le niveau finalement de logique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une Ouais. ceinture noire qui ferait du MMA et une ceinture violette qui ferait du MMA, bah, ça serait une ceinture noire et une ceinture violette, quoi. L'un serait, sur le papier en tout cas, meilleur que l'autre. Donc voilà. Donc pour le coup, effectivement, voilà. Encore une fois, comme pour la lutte, il a de très bonnes défenses. Il est très mobile. Il n'est pas en danger, mais il ne met pas en danger ses adversaires parce que de toute façon, il ne cherchera jamais une soumission. Tu vois, quand il a dit j'attends qu'on m'amène au sol pour montrer quel est mon sol, je ne le vois pas tenter une soumission. Je Bah ne vois pas sur prendre le risque. il avait tenté un triangle sur Gastelum. Ouais, il l'a tenté une fois. Enfin voilà. Non, il peut le tenter une fois comme ça, mais Ouais, je le vois, ouais. Il voilà. va En fait, c'est pas. pas Alors lui en qui va fait. chercher en fait à aller soumettre. Il va peut-être prendre une C'est ça. opportunité. Je ne dis pas qu'il ne peut C'est pas ça. soumettre quelqu'un. Il peut très bien prendre une opportunité, attaquer un triangle, attaquer un jujitsu parce qu'il se présentera. Il se présente, il va le prendre forcément, il va pas dire ah bah non, tiens. Mais je le vois pas créer un travail au sol dans le sens d'aller chercher une soumission. Parce que pour lui, ça serait un risque. C'est ça. Je le vois pas risquer d'ouvrir la garde et de risquer de se faire passer pour chercher une soumission. Donc c'est ce qu'il fait très bien, c'est qu'il recompose bien et garde fermée, il ferme et puis voilà quoi. Ouais, garde fermée, mais quelques crochetages, tu sais, en papillon et tout ça. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça. Rien de spécial à dire sur son sol, à part qu'il a effectivement une bonne défense. Et pareil, en fait, je ferai la même remarque, comme j'ai dit tout à l'heure pour la lutte, c'est que une fois fatigué, on a vu que bah, ses défenses, elles devenaient nulles, puisqu'on a même vu face à Blakovic dans le dernier round qu'il a réussi à se faire prendre la montre et que là, il a pris un ground and pound. En fait, il n'aurait pas fallu beaucoup plus de temps, parce que là, je pense qu'il aurait été finalisé par TKO. En fait, Ouais. c'est parce que c'est vraiment arrivé en toute fin de cinquième round, mais je pense que 1 minute de plus et ça finissait pas la décision, pour le coup. Ouais, je pense aussi. Quant à Vettori, si t'as plus rien à ajouter. Non, bah Vettori,
Vettori, comme tu as dit, hein, c'est un peu le même style que Ousmane, dans le sens où c'est contrôle. Ouais. En fait, c'est rien de fou, mais c'est solide. Voilà. Grosse pression. Bon, Tu vois, après, contrôle, il a quand même ouais. soumis 9 fois. Hein. C'est, Ouais, il faut le dire. C'est quand même, donc il est en capacité de soumettre. Beaucoup d'étranglements, je crois. Mais en tout cas, voilà, il est en capacité de soumettre. Il est toujours en pression. Toujours. En ouais. En fait. fait, il a le même. En fait, les deux ont le même style en lutte que leur lutte et leur sol, c'est la même chose. Ouais. Tu vois, en lutte, il est en pression constante au sol, c'est la même chose. Et à des années, on a parlé de ses défenses. C'est le même principe qu'il applique au sol, en lutte et au sol. Exactement. Donc ouais, effectivement. Et après, il passe. Et en fait, il grappille il passe. Il passe de la garde à la demi-garde. Et par contre, il ne cherche pas à dépasser la demi-garde. Pour le coup, à moins que ça se présente et que voilà. Mais il cherche pas à passer à aller plus loin que la demi-garde. Et il est très bon sur ses défenses. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, bon, là, pour le coup, pour ce combat-là, on le verra sûrement pas. Mais je vois mal, encore moins là, voir un Adesanya tenter une attaque de soumission sur un Vettori. Qui sort de tout en fait finalement parce que souvent il se fait attaquer les jambes justement pour le coup et il tourne très bien il arrive très bien à sortir on le sent serein au sol il est serein finalement donc ouais aucun souci là-dessus en tout cas pour le coup pour ce combat si ça va au sol l'avantage il est clairement à Vettori. Ouais. Mais tu parlais de la demi-garde. La demi-garde, c'est clairement la position des lutteurs, en fait. C'est la position dominante par excellence pour eux. Parce que tant qu'ils sont dans la garde fermée, il y a quand même ce petit risque de soumission, Oui. où il y a le travail sur les triangles, les jujis, etc. Même si j'y crois pas venant d'Adesanya, mais il y a toujours cette possibilité. Alors qu'en demi-garde, il y a plus rien, en fait. Ça devient très compliqué en demi-garde. Bien Il sûr. peut, lui, mettre la pression comme il veut en contrôlant le haut du corps. Quand il veut se redresser, il peut mettre des coups de coude, il peut frapper. Passer la side control, c'est une position qu'on voit plus trop en MMA. Parce que déjà, c'est très difficile de contrôler un mec en side control Et maintenant. c'est très difficile de frapper, en fait, C'est finalement. ça. C'est C'est. ça. En fait, tu vas mettre des frappes qui n'auront pas d'envergure. C'est ce que j'avais déjà expliqué lors d'un précédent podcast. Quand t'es en side control, effectivement, tu as peu d'envergure. Tu vas mettre des petits marteaux. Tu vas. En C'est ça. fait, il y a vraiment du mal. Soit tu arrives à passer en side control et tu arrives à passer en crucifix, de face. Et là, pour le coup, tu es très bien parce que tu isoles les deux bras et tu peux aller avec plus d'envergure, envoyer soit des coudes ou soit des poings, des marteaux, et jusqu'à ce que, en fait, tu annihiles la défense de l'adversaire et donc le combat s'arrête. C'est ce qu'a fait Shevchenko sur son dernier combat. Donc ça, c'est très bien. Mais sinon, pour le coup, au sol, il n'y a que trois positions qui sont sympas. C'est la demi-garde, où justement, la plupart du temps, on ne cherche pas à la passer parce que t'es pas en danger et tu peux mettre de l'envergure et continuer à contrôler et suivre ton adversaire tout en le martelant. Soit tu arrives à prendre la position montée. Là, c'est le top. Là, c'est En le tout cas, top. pour le Ground and Pound. Voilà. Sauf quand tu es face à un mec qui a un leg locker où là, la position montée, ça peut être un plaisir pour pouvoir venir s'enrouler dans tes jambes. Ça, c'est une autre histoire. Ou alors prendre le dos. Parce que quand tu es dans le dos, c'est pareil. Tu peux envoyer des frappes et chercher la soumission. Enfin, voilà. C'est les trois positions véritablement que tu vois le plus souvent. En MMA. Ouais, mais avant, c'était pas le cas. Mais bon, après, c'est par rapport au règlement. Mais par exemple, quand t'as le droit au coup de genou. Par exemple, au Pride, le passage de garde était. On le voyait beaucoup plus souvent de passage de garde. Oui. Les mecs essayaient de passer parce qu'en latéral, t'envoyais les genoux. Mais tu peux En les hors mettre, sud aussi. au corps. Mais sauf que maintenant Ouais, mais c'est pas mais tu peux pareil. prendre un risque, quoi. Voilà. Et la nord sud, c'est pareil. Là, des derniers combats que t'avais en nord sud, et ça arrive quasiment jamais, la nord sud. Non. Il n'y a vraiment aucun intérêt à prendre la nord sud maintenant. Non, non, Alors complètement. qu'avant, en nord sud, t'envoyais les genoux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ouais. C'est l'évolution du jeu. Exactement. Et pour le coup, Vettori le fait très bien. Il fait des passages, en plus, franchement, face à Kevin Holland, c'est des passages, il n'y a rien de. Pour le coup, il n'y a rien de fou. Hein. Il venait, il trouvait le bon timing, en fait, pour envoyer sa jambe très fortement par-dessus la sienne. Et puis, il n'y avait pas de passage propre, tu sais, où tu viens avec ton genou glisser le long de la cuisse. Non, non, il venait, boum, il passait. Il envoyait ses frappes, beaucoup de pression. D'un coup, il sentait que la garde, elle s'ouvrait. Il passait sa jambe par-dessus celle de Kevin Holland et continuait, en fait, son avancée. Et voilà. Et après, donc, effectivement, une bonne lutte au sol, c'est-à-dire que dès que le mec essayait de se relever.
Il venait, il le ramenait une nouvelle fois au sol. En fait, il suivait le travail et il le ramenait encore une fois au sol. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus fait évoluer sa lutte, même au sol, ce qui fait qu'il a beaucoup plus d'armes pour conserver quelqu'un. Parce que tout à l'heure, tu parlais effectivement que dans leur premier combat, Adesanya arrivait à se relever facilement, mais tu sens qu'il y a eu une évolution aussi à ce niveau-là. Tu vois? Et que ça serait peut-être plus compliqué, pas impossible, mais peut-être plus compliqué avec le Vettori d'aujourd'hui que le Vettori d'hier. Ouais. Tu vois? Parce que plus technique, parce que un jeu plus abouti, parce que voilà, plus d'expérience et parce qu'il faut pas oublier que les deux, ils étaient en début de carrière UFC, je crois, quand ils se sont affrontés. Alors, c'est 2018 ou 2017? Il me semble que, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Ouais. Donc, ouais, ils étaient. En tout cas, Vettori était très jeune. Ouais. Donc Parce qu'il est forcément. encore très jeune. Il a que 27 ans. Donc ça se voit, il n'a pas de poils au menton. Ah, il est super jeune. Quand j'ai vu son âge, ça m'a choqué. Ouais. Donc voilà. Bon, donc pour ce combat, moi, avantage à Vettori pour le sol. Ouais, moi aussi, dans le sens où si ça va au sol, je pense que c'est lui qui sera au-dessus. Et que c'est son jeu, tu vois. Ouais. Donc, avantage à Vettori, ouais. Bon, maintenant les petits à côté. Confiance, enfin tout ce qui fait que un combat aussi ne joue pas que sur de la technique et ça c'est plein d'autres choses. Donc Adesanya, bon bah lui pour le coup, il y a quand même une inconnue. Alors on en a discuté toi et moi avant. Adesanya c'est quelqu'un qui a déjà connu la défaite dans d'autres disciplines, pas en MMA mais dans d'autres À disciplines haut en boxe niveau. à haut niveau. Il a su revenir pour le coup. Mais il a su revenir dans une discipline qui était unidimensionnelle puisque c'était de la boxe. En fait, j'étais d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je ne pense pas que ça va entacher sa. En fait, voilà, sur le papier, ça ne va pas entacher sa confiance, dans le sens où, effectivement, il a déjà connu la défaite à haut niveau, et en plus de ça, là, il a connu une défaite dans la catégorie du dessus. Il a fait un pari, tiens, si j'allais chercher le champ, il n'a pas réussi. Il peut se dire que l'adversaire était trop puissant, il peut se dire que plein de choses, qu'il y avait l'envergure, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, mais que dans sa catégorie, c'est lui le patron, et que de toute façon, ça restera le patron. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, quand même, on a quand même une petite inconnue sur du MMA qui casse un peu les codes d'un sport classique. Tu vois, dans le sens où, comme je te dis, quand tu perds en boxe, c'est unidimensionnel. Tu vas te reprendre et tu vas améliorer ta boxe. Tu vois? Enfin, tu vas Ouais. corriger quelques petites choses. Finalement, les corrections, elles sont pas énormes. Et c'est pour ça que les défaites en boxe sont moins dommageables qu'en MMA. Quand tu En vois, kickboxing. en kickboxing, tu vois, ou en anglais, enfin, tu vois, quand tu perds, finalement, tu peux revenir au top. Bon, c'est plus de... Actuellement, bon, c'est un autre débat, mais en boxe anglaise, on voit que tu as besoin quand même de ce palmarès plus ou moins vierge pour atteindre le très haut niveau. Oui, non, non, je ne te parle pas de l'évolution de carrière. Je te parle de tu perds, tu vois, tu vois Anthony Joshua contre Ruiz, tu vois, par exemple, il a perdu, il est revenu, il a regagné. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il a fait quelques ajustements, il a travaillé quelques petits trucs et finalement, il a pu regagner, tu vois. Et ça arrive très souvent. Tu as des mecs qui descendent et qui remontent et tu vois, les palmarès, sans parler de palmarès, tu vois, je parle en termes de confiance, tu peux encore aller chercher des victoires. Tu es moins cassé. Finalement, je parle d'un aspect psychologique. En MMA, on voit Ok. très souvent des mecs quand ils perdent qui ensuite sont cassés, tu vois. Enchaînent les défaites. Même des mecs qui sont très forts, qui après enchaînent les défaites parce qu'il y a tellement de paramètres dans le MMA que tu peux pas tout corriger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En boxe, tu vas je vois ajuster ce que une tu veux dire. défense, tu vas te dire putain, j'avais un trou ici, tu vas t'acharner sur le trou qui a fait que. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, j'allais dans ce rythme-là, j'envoyais cet enchaînement-là et finalement, c'est ça qui m'a fait défaut. Je vais arrêter de le mettre ou alors je vais le mettre différemment. Tu vois? Mais dans le MMA, tu as tellement de choses à voir, parce que c'est pas qu'une amenée au sol, tu vois, c'est pas se dire que je vais corriger mes amenées au sol. Tu vois, c'est tout un tas d'autres paramètres. Je vais corriger mes déplacements, je vais corriger ma défense d'amenée au sol, mais laquelle? Tu vois, à la cage, quand moi j'attaque, tu vois, savoir attaquer, mais à la fois être prêt à défendre. Ou sur les attaques de mon adversaire. Enfin, tu vois, t'as plein de choses comme ça, plein de paramètres qui rentrent Ouais. en ligne de compte. Et, euh,
Et donc c'est ça l'inconnu qu'on a, et c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. Je vais le redire maintenant, et j'en suis sûr, j'en suis persuadé, sur le papier, Adesanya a tout pour gagner, parce qu'il a déjà gagné contre Vettori et tout ça, mais, on parle pas de pronostic là pour l'instant, mais c'est un très mauvais match-up pour lui. Je pense qu'il avait tout intérêt à recombattre un Whittaker, même si, attention, contre Whittaker, avec ce qu'il a proposé là ces derniers temps, c'est pas le même Whittaker qu'il a affronté. Psychologiquement, tout ça, ça aurait... son combat, il était loin d'être gagné d'avance. Mais un Whittaker va chercher à boxer, tu vois, va rentrer un petit peu dans le jeu d'un Adesanya. Tu vois, il aura moins ce truc où il va chercher absolument la lutte tout de suite, tout de suite, tout de suite, tu vois, à coller à la cage et tout ça. Là, pour le coup, un Vettori, comme je disais tout à l'heure, hein, le style de Vettori et le style de Blakovic, ils sont assez similaires. Quand on les voit combattre, on voit des similitudes, tu vois. Et donc, je pense que c'est pas forcément le meilleur match-up pour Adesanya, pour le coup, pour un premier combat après sa défaite. Et là, moi, ça me donne une grosse inconnue sur ce qui peut se passer lors de ce combat. Je pense qu'il va être confiant, mais... Tu vois? Moi, je pense que ça n'a pas du tout entaché sa confiance. Je pense qu'il est serein. À mon avis, là, au contraire, il a la dalle. Tu vois, il va venir avec l'envie vraiment de prouver qu'il est. De toute façon, là, ce combat, il est ultra important pour lui, hein. Bien sûr, parce que tu acceptes une défaite en haut, mais ça sera Ah moins le ouais. cas dans ta caté, quoi. Là, t'as tout à perdre, là. Parce que là, pour le coup, là, sur le combat contre Blakovic, en soi, il avait rien à perdre, tout à gagner. Là, c'est l'inverse, là. Et justement, en fait, je me dis, en fait, pourquoi je dis ça aussi, l'inconnu? Parce que est-ce que il va faire les ajustements aussi nécessaires? Dans le sens où il se dit, voilà. Tu sais, si tu fais une mauvaise analyse de ton combat, si tu te dis j'ai perdu parce que il était justement je suis monté, le mec était plus puissant, était plus grand, était ceci, était cela, mais que tu te dis pas qu'il y avait un problème dans ta gestion technique, tu vois? Est-ce qu'il a fait les vrais ajustements? Alors, si c'était lui tout seul, je pourrais te suivre et être d'accord, mais il a une équipe de malades. Ouais. City Kickboxing, en termes de game plan et tout, on voit ce qu'ils font avec lui d'ailleurs et avec Volkanovski. Franchement, c'est une des meilleures équipes actuelles. Et en plus, Adesanya, tu sens, alors je sais pas si tu le sens, mais moi je sens une certaine humilité dans sa pratique du MMA. Oui. Tu vois, alors il fait le show dans la cage, etc. Mais tu sens qu'il a un vrai respect pour ses coachs et qu'il écoute vraiment tout ce qu'ils disent. Il est super discipliné Bien sûr. par rapport à ça. Oui. Il n'est pas venu au MMA en se disant, voilà, je suis une grande star du kickboxing, laissez-moi faire à ma sauce. On n'est pas, c'est pas McGregor, tu vois. McGregor, limite, je pense que c'est lui qui, c'est pour ça aussi, qui chute, c'est que c'est lui qui fait la leçon à son coach, quoi. Il fait ce qu'il veut, en fait, tu vois. Adesanya, il n'est pas dans ce délire-là. Adesanya, il fait ce qu'on lui dit, il doit être ultra. Alors, je le connais pas, mais. Je pense qu'il est ultra discipliné dans son entraînement. Et les coachs, je pense qu'ils ont vu ce qui n'allait pas. Tu vois, pour le coup, eux, ils ont vu ce qui n'allait pas. Et je pense que ça a été bossé en conséquence. Oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord. D'ailleurs, il l'a dit lui-même en fin d'un de ses combats. Il a remercié son coach. Il le met beaucoup en avant. On sent véritablement, oui, qu'il a. De toute façon, il est dans ce délire, tu sais. Bon, il kiffe les mangas et tout ça, mais tu sais, du respect du maître et de l'élève, quoi. Tu vois, pour le coup, c'est pas du tout le mec qui se prend pour une superstar et qui pense qu'il a rien à apprendre. Lui, je pense que même Oui, d'un et c'est point de vue justifié en philosophique, plus. mais oui, et je peux même d'un point de vue philosophique, tu sais, je pense qu'il suit une doctrine de tu es mon maître. Je t'écoute. Tu vois, même si tu fais n'importe quoi, tu sais, limite, tu fais n'importe quoi, il t'écoutera quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Ouais, l'élève, et tu es pour le le maître. coup, ils font pas n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment des monstres, les mecs. Donc je pense qu'en termes de confiance, de prépa, de tout a été fait pour qu'il soit au top. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, le seul truc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que le combat, finalement, soit pas si éloigné que ça. Parce qu'il a eu le temps de mettre assez d'ajustements en place pour pouvoir contrer un jeu similaire, entre guillemets. Donc ouais, non, moi aussi, je pense sincèrement qu'il se sera repris et qu'il viendra en pleine confiance. Pour le coup, effectivement, pour le coup, il aurait entièrement raison. Vas-y. Parce qu'en soi, on parlait de prépa, tu parlais des similitudes entre les deux, finalement, il est plus ou moins sur le même camp d'entraînement, tu vois.
Parce que Blachowicz, tu disais qu'il a les mêmes armes, donc finalement il est dans une continuité. Alors ils ont vu ce qui n'allait pas. En fait, c'est comme s'ils avaient une revanche immédiate contre Blachowicz. Donc ils ont vu tout de suite ce qui n'allait pas, ils ont gommé ce qui n'allait pas, ils ont validé, ils ont gardé ce qui marchait, parce qu'il a fait, il a pas tenu 5 rounds contre Blachowicz pour rien, tu vois. Il a fait des bonnes choses. Donc finalement, ils ont juste à gommer ce qui n'allait pas, et moi je pense que, bon, on n'est pas au pronostic, mais je pense que ça va bien se passer. Oui, non, mais de toute façon, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours cette petite inconnue d'un combattant qui aurait vécu sa première défaite. Tu vois, qui peut être ultra boosté, mais qui peut être aussi un peu inhibé par la crainte d'avoir une deuxième défaite. Tu sais, il y aura toujours cette petite inconnue, même si sur le papier, il a tout pour rester confiant. Tu vois, moi, je me dis, j'attends quand même de voir le début de combat. Tu vois, on va le sentir tout de suite. On va le sentir tout de suite. Si jamais il est resté sur son côté, c'est moi le patron de cette catégorie et je vais dominer et je vais rincer tout le monde. Parce que c'était sa logique, de toute façon. Il voulait affronter tout le monde, battre tout le monde. Et il lui manque pas grand monde d'ailleurs dans la catégorie. Cannonier, qu'il n'a pas affronté. Qui d'autre? Darren Till. Darren Till, et c'est tout. Non, Darren, ouais, Darren Non, Till, Darren Till, il l'a il pas est en affronté. 84. Ou il est en 60, il est en 77, Darren Till. Il est Ouais. descendu, non? Oui, bref. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'il aurait pu l'affronter à un moment. Bref, en tout cas, pour le coup, voilà, je crois que déjà, en tout cas, c'est sûr, il lui manquait Cannonier, déjà, puisqu'il voulait l'affronter, et Il puis manque après, il a Cannonier et perdu Hermanson. contre. Ouais, il avait perdu, il devait l'affronter s'il gagnait contre Whittaker, et puis finalement, comme il a perdu, après, c'est là où il a pris la décision de monter. Donc ouais, en tout cas, il est dans cette logique de rincer sa caté, pour le coup. Donc ouais, je pense qu'il sera en pleine confiance, mais bon, j'attends de voir quand même. Parce que des fois, entre ce qu'on veut et ce qui est sur le, tu vois, en réalité, tu vois, ça peut être un monde complet. Par contre, niveau confiance, Vettori, lui, il sera. Lui, il n'y a pas de doute, je pense. Non, aucun. Aucun doute. Bah, déjà, il est sur une série de victoires, hein, pour le coup, invaincu, comme je disais, depuis Adesanya. Il a été jusqu'à la décision avec lui. Ce qui n'est pas une mince affaire, tu vois, bon, c'était sur 3 rounds, mais une décision, pour le coup, partagée, tu vois. Et en général, quand il a été à la décision, la plupart du temps, c'est une décision unanime à Adesanya. Donc là, il a fait, en fait, une performance extraordinaire face à Adesanya, même si c'était en début de sa carrière UFC. C'était quand même une grosse, grosse performance et il a montré qu'il avait des armes à lui imposer. Et comme je disais depuis le début, je vous dis, il n'a pas pris énormément de dégâts, même en boxe. Tu vois? Ouais. Donc, il a toutes les raisons d'être confiant. De se dire, mais en vrai, pourquoi je serais inquiété par sa boxe? Puisque il m'a pas touché et sa boxe sera toujours la même, entre guillemets. Tu peux te dire ça, tu vois? Sa boxe sera toujours la même. Il a peut-être amélioré ses défenses en lutte, peut-être qu'il est plus confiant et tout ça. Mais tu sais, voilà, il est. Et puis, ça se voit que c'est un type qui. De toute façon, tu le vois qu'il est confiant, puisque de toute façon, il appelait à combattre Adesanya. Tu vois, je pense qu'on lui Ouais, a mais pas donné les grands même match-up, mais pour le coup, il a. Tu vois, pour le coup, on ne lui a pas donné des gros noms, mais je pense qu'on lui aurait donné n'importe qui, il aurait affronté n'importe qui. Je suis pas sûr que ça soit lui qui ait refusé. Quelqu'un, tu vois, qui a choisi de faire non. ce chemin de carrière. Je pense que c'est juste que c'est pas quelqu'un qui enfin, l'UFC a tout intérêt à ce que ça soit Adesanya qui gagne par rapport à un Vettori en termes de business, tu vois. Donc c'est pas une grosse personnalité, c'est pas un physique. D'ailleurs, on le voit, hein, Adesanya, il est en train de le tailler sur son physique là en ce moment là. Justement, tu sais, il y a le trash talk qui a commencé. Il le taille sur quoi? Sur son physique. C'est pas un mec qui est beau gosse qui va faire des pubs Puma comme c'est le cas pour Adesanya. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a pas ce truc, il a pas ce truc en Il n'a pas plus. ce truc cool. Ouais. Et même en plus de ça, et même d'un point de vue pays, enfin c'est un Italien. Tu vois, c'est pas la communauté la plus représentée, même s'ils ont des bons combattants, et même un. Mais à l'UFC, c'est pas la communauté la plus représentée. C'est pas forcément un secteur porteur pour l'UFC. Contrairement à l'Afrique, là, qui essaient de faire monter avec Kamaru Usman, avec Ngannou et avec le trio, en Et fait. Adesanya. Ngannou, Adesanya et Usman. Donc Ouais. pour le coup, ils ont tout intérêt à ce que ça soit Adesanya qui gagne. Mais.
Mais donc, lui, en tout cas, et puis il vient en outsider. Il vient en outsider. Il n'a rien à perdre. Il a tout à gagner. Il a réussi son coup. C'est-à-dire que là, il est à un combat d'avoir la ceinture autour de la taille. Tu vois? Ouais. Alors, ça peut complètement le l'inhiber. Il peut passer à Je côté de son pense pas. combat, mais je ne pense pas non plus. Je pense pas que c'est pas le genre. Ça se voit que c'est pas le genre de la maison. Non. Le mec, comme t'as dit, de toute façon, tu le vois dans son style de combat. Le mental, ça s'invente pas. Tu vois que le mec, comme t'as dit, recule pas. Il reste sur place. Le mec, c'est un guerrier. Il est incassable. C'est. Ouais. Franchement, c'est impressionnant. T'en as pas beaucoup des mecs comme ça, Après, mais... ça peut jouer en sa défaveur. D'être trop comme ça, d'être trop confiant, trop rentre-dedans, ça peut jouer en sa défaveur. Mais en tout cas, c'est sûr que lui, il a aucun doute. Pour lui, il va gagner. Oui, bien sûr. Et après, donc, alors, parce que je voulais revenir là-dessus, tu sais, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on parlait des lutteurs qui avaient affronté Adesanya, tu sais, en disant, oui, alors il a affronté Romero, il a affronté donc Paulo Costa, Brunson et tout ça, et donc et il les a battus, tu vois, il les a surclassés et tout ça, même au point de que c'était indécent, quoi, pour le coup. Et je pense justement que l'aspect psychologique a beaucoup joué dans ces combats-là. C'est pas, en fait, finalement, t'as pas retrouvé les mêmes combattants dans la cage face à Adesanya que tu les retrouves. En fait, je vais surtout m'attarder sur Romero et sur Costa, tu vois. T'as pas retrouvé les mêmes combattants que t'as l'habitude de voir avec eux. Romero, c'est un mec qui te rentre dedans, qui est tout fou, qui va venir, qui va rentrer dans tes... Enfin, tu sais, qui va te saisir une jambe, envoyer des parpaings, qui va te chasser. On sait très bien qu'un combat contre Romero, tu gagnes ou tu perds, t'en ressens pas indemne. Mais, pour le coup, il a tellement été, je pense... En fait, ils veulent tellement trouver la solution à sa boxe qu'ils ont tenté des choses qu'ils ne font pas d'habitude et que ça les a desservis. Et ça a servi à Desania. Dans le sens où Romero, il a cherché le contre. Il est resté droit comme un piquet. Il attendait qu'une chose, c'était d'envoyer le parpaing de l'espace. Sauf Ouais, que... c'est ce qu'il faut surtout pas faire contre Adesanya en fait. Il est trop Parce que mobile. plus t'es immobile, bah oui, c'est. Et Costa, il a fait la même chose. Et Il était Costa, il a fait la attentiste. même chose. Ultra attentiste, alors que normalement, c'est un rouleau compresseur. Exactement. Et quand tu vas contre ta nature, c'est pas en un camp d'entraînement que tu vas apprendre un nouveau jeu, quoi. Surtout qui est complètement opposé au tien. Oui. Et c'est pour ça que je suis pas sûr que ça soit vraiment parlant. Tu vois, le fait de ça soit des indicateurs vraiment parlants de se dire, bah ouais, ils ont, tu vois, il a réussi à surclasser des lutteurs d'élite. Tu vois. Et je pense que Vettori ne fera pas cette erreur-là. Avant qu'on nous tombe dessus, on ne considère pas Paulo Costa comme un lutteur d'élite. Non, non, C'est non, non, juste non. que, en termes de puissance, etc., de toute façon, on l'a vu, il a même amené, il a fait tomber Romero. C'est le genre de personne, quand il rentre dans tes jambes, avec la force qu'il a, Voilà. il peut faire tomber n'importe qui. Et sa stratégie, clairement, c'était ça, puisque de toute façon, je ne sais plus si on en a parlé sur le podcast ou si on en a parlé avant, parce qu'on a parlé beaucoup avant d'enregistrer le podcast, mais sa stratégie, c'était ça. Oui. C'était d'imposer son sol. En fait, il voulait l'amener au sol pour imposer son sol face à Adesanya. Il voulait le soumettre. Très clairement, Et il tu vois, voulait le soumettre. rien que ça, c'est un aveu de faiblesse. Mais oui. Parce que le mec, c'est clairement un striker. Mais oui. C'est clairement un striker. Et il parlait justement, et au tout début du combat, enfin bien avant le combat, il disait, voilà, avec ton petit corps, quand je vais t'envoyer un middle, je vais te casser les côtes, nanana. Et plus le combat se rapprochait, plus il parlait d'aller au sol. Tu vois, comme quoi il savait que debout, c'était même pas la peine. Mais oui. Et Donc oui. mentalement, il était déjà battu. Et c'est ça. Et je pense que en fait l'aura Adesanya, son aura prend de l'ampleur comme tous les grands champions entre guillemets, comme l'aura Kamaru Usman, comme l'aura Conor McGregor qui bon là commence à diminuer, mais où tu rentres non mais bah, pour le coup, on verra après on en reparlera hein, d'ici le 10 juillet mais en tout cas voilà, tu sais où tu rentres dans la cage en ayant déjà une Tu pars avec un pas en arrière, tu vois ce que je veux dire? T'y vas, même si t'es confiant parce que t'es un combattant pro, tu t'y vas en te disant, waouh, ça va être quand même compliqué, tu vois? Quand tu te dis ça, c'est foutu. Mais je pense pas que Vettori se dira ça. Et encore moins là qu'il a, que Adesanya a une défaite. Il a plus ce tableau blanc, tu vois? Tu vois, où y a rien, il y a le petit zéro là. Maintenant, il y a un petit 1. Tu vois. Et ça, psychologiquement, ça change tout parce que tu te dis, mais c'est possible. C'est possible.
Ouais, donc niveau confiance, de toute façon, comme on a dit, hein, Vettori, 100% de confiance. Ouais. Adesanya, il y a une petite inconnue, même si je pense qu'il sera aussi ultra confiant, ultra prêt. Ouais. Donc voilà, on De passe au toute prono. façon, on va le savoir très vite. Dès le début du combat. C'est dès Ouais, que on va grave. voir s'il y en a un qui arrive. C'est bien simple. Comme dans beaucoup de combats où il y a des oppositions de style, de toute façon. S'il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre, on va le savoir tout de suite. Tiens, un petit truc qu'on n'a pas préparé, on l'a pas fait encore, mais à ton avis, c'est quoi le game plan pour chacun, s'ils veulent gagner? Alors, le game plan pour chacun. Bon, ah, bon bah, Adesanya, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est d'imposer sa boxe comme il fait d'habitude. Je pense pas qu'il va chercher autre chose. Je sais pas si toi tu vois quelque chose d'autre, mais je le vois pas changer foncièrement sa manière de faire. Je le vois pas chercher à amener au sol. De toute façon, ça serait contre-productif pour lui de chercher à amener au sol ou quoi que ce Non, soit. Donc, Adesanya, ça se passe debout, ça, c'est sûr et le certain. game plan, finalement, tout le monde peut donner le game plan d'Adesanya. Pour Vettori, le game plan qu'il devrait mettre en place ou qu'il va mettre en place? Donc, il devrait. Qu'il devrait mettre en place? Moi, je pense que il devrait user, pas chercher à amener au sol tout de suite. Il devrait user d'abord à Adesanya, tu vois, en le collant, en fait, passer les deux premiers rounds. Moi, dans l'idéal, tu vois, en fait, finalement, reproduire un petit peu ce qui s'est passé dans son premier combat. C'est-à-dire que si, le premier combat qu'ils ont fait, si ça avait été en 5 rounds, Vettori gagnait le combat, je pense. Tu vois? Parce que le premier round, Adesanya, il l'a dominé en boxe. Ensuite, il a commencé. Et il venait quand même déjà prendre ses marques. En fait, ce qu'a fait Błachowicz, finalement. C'est-à-dire, il venait prendre ses marques, il venait le coller, il venait le fatiguer un petit peu. Mais je pense qu'il ne devrait pas chercher à l'amener au sol comme il l'a fait dans le premier combat. Tu vois? Parce que là, Ouais. il cherchait véritablement à l'amener directement. Je pense qu'il devrait vraiment le fatiguer, le coller, le fatiguer, lui faire perdre de l'énergie. Et arriver en fin de deuxième round, début de troisième, là commencer à entamer justement les amener au sol, mais plus à la cage. Plus à la cage. Tu vois, pour le coup, ça serait lui rentrer dedans. Ouais, finalement, ça a déjà été fait. Le game plan à faire, il a déjà été fait. Il a déjà été bien fait par Błachowicz. Il faut l'amener soit sur l'attaque d'Adesanya, soit sur ton attaque. Moi, je pense qu'il devrait profiter de sa gauche, tu sais, pour venir et descendre dans les jambes après par la suite. Envoyer son enchaînement, tu vois, envoyer sa gauche et descendre dans les jambes directement. Et Ouais, après, en bah, tout cas, forcément, le contrôler. quand tu l'amènes, faut pas l'amener à la cage de toute façon parce on en a parlé, cette faculté de se relever à la cage. Ouais. Quand tu l'amènes au milieu de la cage, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Exactement. Non, non, de toute façon, lui, il faut l'amener sur une. Quand il y a une collision, que tu as créée ou qu'il a créée. Mais si c'est sur une collision, il faut l'amener. Il faut avoir le bon timing. Si Vettori, il a travaillé son timing, justement, pour descendre dans les jambes, tu vois, pour le coup, et il est en capacité de le faire, pour le coup, il a toutes les chances de pouvoir le suivre et de l'amener au sol et de le dominer au sol. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, un Vettori qui amènerait à Adesanya au sol, je pense que. Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas se relever, mais il mettrait beaucoup plus de temps, il cramerait beaucoup plus d'énergie. Et qu'au fur et à mesure du combat, il arrivera à l'avoir, surtout s'il met en place un bon ground and pound et qu'il le marque. En fait, il faut le marquer, tu vois. Donc ouais, la stratégie, elle est là. Maintenant, s'il y a des années, il a travaillé ses défenses encore mieux et qu'il se déplace encore mieux et tout ça, là, c'est fini, de toute façon. Pour le coup, il n'y a aucune chance que Vettori gagne ce combat. Aucune chance. Ok. Mais honnêtement, pour ce combat, c'est pas très compliqué hein, de voir le game plan. Enfin, des deux côtés, il y en a un où il est évident, puisque de toute façon, il fera rien d'autre. Et de l'autre côté, il a déjà, ouais, comme je dis, il a déjà été fait. Il a déjà été fait par Błachowicz. Peut-être qu'il l'a pas été fait consciemment et qu'il l'a fait au fur et à mesure du combat. Peut-être qu'il. Mais le fait de prendre ses marques, en fait, il faut avec Adesanya, je crois qu'il faut prendre ses marques au début, prendre sa confiance, venir au contact, prendre des indications pour choper ton timing sur tes entrées. Et une fois que tu les as, c'est là où tu l'amènes. En fait, finalement, tu fais le même jeu que lui. Tu vois, Adesanya, comme j'ai dit tout à l'heure, au début, les deux premiers rounds, il prend des indications. Tu sais, il te met des feintes. Et après, il te boxe avec les infos qu'il a prises. Tu vois, et il va chercher le KO. Ouais. Si dans les deux premiers rounds,
tu casses ce jeu-là de feinte en le collant, si tu l'empêches en fait par ta lutte à prendre ses indications, et que toi tu prends les tiennes, tu gagnes ce combat. Ouais. Parce que d'une part tu l'auras fatigué, tu lui auras donné peu d'infos, et toi tu auras pris les tiennes. T'as trois temps d'avance sur lui, tu vois. Celui qui peut faire ça, comme l'a fait Blakovic, celui qui peut faire ça, et qu'en plus, bien sûr, hein, et qu'il a une bonne défense, hein, bien sûr, tu vois, enfin, qui prend peu de dommages, parce que forcément, pour venir le chercher, tu vas quand même prendre des dommages. Et pour le coup, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Vettori prend peu de dommages. S'il le met KO, franchement, respect, le mec n'a jamais été mis KO, pour le coup, tu vois. Ouais, mais regarde, Costa, il avait jamais mis, il avait jamais été au sol, hein. Oui, il n'avait jamais été au sol, mais Costa, on l'a dit tout à l'heure, il s'est chié. Il s'est chié. Psychologiquement, il était mort. Quand un combattant, il est Mais mort non, il psychologiquement. avait bu une bouteille de vin avant le Et combat. en plus de ça, il avait bu une bouteille de vin parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Donc voilà, il avait pris un petit Voilà. Lexomil. La plus belle disquette de l'histoire du MMA. Mais attention, sobre, il est imbattable. Si la veille, il avait fait Sam, celui qui boit, Il voulait celui qui faire conduit, celui qui ne boit pas, il il voulait aurait faire la fait. boxe de l'homme sou. Il faisait une masterclass. Amenez pas Jackie Chan, qui veut mon gars aussi. Donc voilà. Non, mais je pense sincèrement en fait que la kryptonite d'Adesanya, c'est ça. C'est quelqu'un qui l'empêcherait de prendre ses indications sur les deux premiers rounds. Ok. Et ton Pronostic? prono alors? Non, toi d'abord. Vas-y. C'est tout le temps moi d'abord. Toi Moi d'abord. d'abord. C'est compliqué, hein. Match Mais nul. parce que moi j'aime bien être précis, j'aime bien donner un truc précis. Donc je dirais, je vois Adesanya le finir. Ouais. Ouais, je vois Adesanya le finir sur. En fait, je pense qu'il va le timer. Il va le timer sur son travail d'anglaise, sur ses gauches. Je pense qu'il va trouver le bon décalage au bon moment. Il va le toucher durement en contre. En fait, tu sentais dans le premier combat qu'il. Alors il contrait. Mais comme je te disais, il compterait pas plus que ça, il voulait pas trop s'engager. Là, je pense que dans les deux premiers rounds, il va mettre la sauce. Que ça soit en contre avec les poings ou avec les coudes, parce qu'il peut contrer avec les coudes, il en a mis un beau d'ailleurs dans le premier combat. Ouais. D'ailleurs, Vettori, il a de la chance parce qu'il avait la main haute. Mais je pense, c'est ce que je vois. Je vois ça en tête. Au début, il va le laminer un peu avec les low kicks. Comme finalement, je vois un remake du premier combat, sauf qu'il va réussir à timer sur les contres. Il va prendre le rythme. Parce que Vettori, ce qui est difficile, c'est qu'il a une sorte de faux rythme, en fait. En fait, il envoie des coups qu'on n'attend pas. On sait ce qu'il va faire. Mais comme on dit, la boxe, c'est une sorte de tempo, tu vois. C'est une sorte de musique. Et lui, il a contre-temps. Ouais. On a l'impression qu'il frappe quand. Voilà, il est pas dans le temps. Son coup, il part. C'est Des fois, ça. tu fais des esquives trop tôt. Donc, c'est un peu relou. Mais du coup, il sera plus surpris par ça. Donc, je pense vraiment qu'il va le timer. Je le vois un peu comme ce qu'il a fait à Whittaker. Tu vois, quand Whittaker rentre, le petit retrait, il va toucher. Je suis quasi sûr. C'est ce que je vois. Ouais, mais après Whittaker, il a une boxe qui est moins, enfin qui est plus orthodoxe, en fait, qui est beaucoup plus propre, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Il rentre, il explose. Mais finalement, même ce qu'il a fait à Costa, tu sais, le petit retrait sur le crochet, il a remisé derrière. C'est ce que je Ouais, vois. mais pareil, J'arrive à voir ça. Costa, il a une boxe aussi qui est propre, tu vois. Donc finalement, c'est plus facile à dire. En fait, voilà, moi, très clairement, tout dépend en fait de la boxe qui va être mise en place par Vettori. S'il remet une boxe comme dans le premier combat, où il envoie ses jambes, où il envoie ses poings, où il envoie, en fait, où il y a tout qui part, tu vois, avec ses facultés en fait à pas prendre pas prendre de dommages, je pense qu'il peut vraiment faire chier en fait Adesanya sur sa boxe, pour le coup, parce que c'est pas parce que c'est il est sur comme je dis sur le papier, il est 1000 fois meilleur boxeur, plus technique et tout ça. Mais t'as des mecs qui sont chiants à boxer. T'arrives pas à les toucher. Tu sais pas pourquoi, mais t'arrives pas à les toucher. Tu vois? Et le problème, c'est que ça, c'est un truc que tu vas pas rencontrer quand tu fais de la boxe. Parce que tout le monde, ils ont tous les mêmes codes. Ils ont des façons différentes de Ouais. boxer, mais ils ont tous les mêmes codes. Tu vois? Mais même pour se préparer,
Ça doit être dur de trouver un mec qui boxe comme Vettori, tu vois. Mais Parce que bien t'essayes de sûr. trouver un sparring qui ressemble à ton adversaire. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bon, moi, je vais fonctionner en pourcentage, hein, comme d'habitude. Et honnêtement, je pense que c'est ultra serré. Autant, il y a des fois, je vois des grands écarts, mais je pense que c'est ultra serré, pour le coup. Et je vais choquer le monde, mais je vois un Vettori à 60%. Ouais, moi, pour moi, Oh, c'est... c'est pas si serré que ça alors. Ouais, enfin, 60% ça, c'est quand pas, même. quand je dis 60, 55, tu vois, 55%. C'est parce que je voulais un chiffre rond, 55%, tu vois. 55%, 45%. Pour moi, et bien sûr, je pense qu'on le verra hein, sur pas mal d'analystes, et on le voit d'ailleurs dans les paris, c'est très serré aussi. Ah d'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est le premier événement en France où vous pouvez parier sur les combats. Sur Betclic, il me semble. Ouais. Bon, uniquement les combats pour la ceinture. Pour l'instant, c'est uniquement ça. Mais sur tous les combats, donc il y a ce combat, il y a celui de Deveyson Figueiredo contre Moreno. Donc les paris sont ouverts en France. Bah écoute. Voilà. Donc on Si vous voulez verra. On faire de verra. l'oseille, Voilà, faites de l'oseille, mais après vous choisissez de ne Rolly ou n'écoutez Jarod. pas. Voilà. Non, N'écoutez honnêtement. pas mon comparse. Il se plante tout le temps. Non, non. Il est très bon dans les analyses, mais alors dans les pronostics, il est à chier, tu sais. Non, mais en tout cas, non, pourquoi je dis ça? Mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées, tu vois. Alors, je vais aller jusqu'au bout, 55% à la décision. D'accord? De Vettori à la décision. Il n'est incapable de finaliser. Je le vois pas soumettre à Desanya ou quoi que ce soit, tu vois. Mais même en Ouais. ground and pound, je ne vois pas causer assez de dommages et debout encore moins pour finir le combat. Mais honnêtement, s'il fait pas le con, s'il fait pas le con, et qui continue à rentrer dans son jeu habituel, c'est-à-dire, tu sais, mais c'est à la condition, voilà, c'est à cette condition-là. Hein. Attention, c'est pour ça que je dis que c'est très serré. Parce que Adesanya, il a toutes les chances de le mettre KO, je suis d'accord avec toi, c'est un pronostic facile. Je dis pas que c'est pour ça que tu le fais. Hein. Attention. Hein. Bah, un Non, petit non, peu. non, 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 je dis pas parce que tu as ton analyse et tout ça, tu l'as dit. Tu as analysé, tu penses qu'il va le prendre dans le contre et tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est un pronostic facile de dire Adesanya va gagner par KO parce que de toute façon, son évolution a fait que il a toutes les chances de le mettre KO parce qu'il a affronté de très grands combattants et que. En fait, il a affronté sur le papier des combattants beaucoup plus durs et plus forts que Vettori, tu vois, comme on a dit tout à l'heure. Et que sa progression fait qu'il a toutes les chances de le mettre KO. Tu vois? Maintenant, dans la vie, et on le sait, tu affrontes des mecs, tu vas faire des trucs exceptionnels, et puis tu as ce mec-là, qui est ton anti-jeu, comme ça a été le cas avec Blakovic, qui lui va te poser des problèmes, et tu sais pas pourquoi. Et tu t'es préparé, mais tu sais pas pourquoi il te pose des problèmes. Parce que tu envoies tes frappes et qu'elles touchent pas. Parce que tu envoies des frappes qui touchent, mais qui finalement ne causent pas de dégâts. Tu vois, les low kicks, il en a pris plein dans le premier combat. Mais ça ne l'a pas empêché d'avancer, ça ne l'a pas empêché de mettre en place sa lutte. Tu vois? Il les a pris Et il les a franchement d'une pris. puissance, hein. Eh oui. Et tu le vois. Et comme je te dis, debout. Alors oui, Adesanya a envoyé plus de frappes et tout ça, ce qui l'a conduit à cette victoire, à la décision. Mais il n'y a pas eu de frappe, il n'a pas été marqué, il n'y a pas eu de knockdown, il n'y a pas eu, tu vois, Vettori, sur tous les combats que j'ai vus, je crois pas que je l'ai vu être knockdown. Je l'ai pas vu être sonné. Non. Tu le vois, il prend des parpaings, tu vois, sa tête, elle bouge à peine. Et ça, c'est un facteur. C'est un facteur. Parce que lui, il nous a prouvé que sur 5 rounds face à un Kevin Holland, il pouvait tenir. Amener au sol, continuer, mettre la pression et tout ça. Et on sait qu'il peut tenir. S'il n'avait pas fait ce 5 rounds face à Kevin Holland, ou 5 rounds face à Hermanson, tu vois, j'aurais peut-être été plus dans ton sens à toi, tu vois ce que je veux dire? Mais quand on voit le premier combat, j'en démords pas, je pense que si tu avais 2 rounds de plus, Vettori, il aurait pris l'ascendant. Parce qu'en fait, il prenait l'ascendant petit à petit dans le combat.
à partir du deuxième round, lui, son rythme, il a fait qu'augmenter, tu vois. Et il a pris l'ascendant sur Adesanya. Je pense sincèrement qu'il peut sûrement aller à la décision, face à Adesanya. Et qu'il peut remporter cette décision. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire unanime ou partagé. Là, pour le coup, je m'avancerai pas sur le. Puis ça a peu d'intérêt, en vrai, que je dise unanime ou partagé, parce qu'après, tu peux très bien avoir un juge qui voit pas la même chose que les autres. Oui, non, Donc oui, c'est ça, clair. on s'en fout. Mais en tout cas, ouais, je pense que ce combat peut aller. S'il va à la décision, il peut aller à la décision. Parce que, Ouais. comme je t'ai dit, il prend peu de dommages, il a jamais été mis KO. Sur 5 rounds, Vettori, je le vois gagner. Mais bon, avec une Mais boxe après, comme Adesanya, tout est possible à tout moment. là où je te rejoins, c'est que moi je vois Adesanya KO, mais si ça va à la décision, je vois pas Adesanya gagner la décision. En fait, c'est pour ça que je précise que le KO pour moi il vient dans les deux premiers rounds. Il vient dans le deuxième round. Il prend ses petites infos dans le premier, il met KO dans le deuxième. Voilà, si Parce que c'est. Ouais. passer le deuxième round, ça va devenir compliqué. Ah, mais même En fait, voilà, comme t'as dit, ça va être un remake passer du. le milieu du deuxième round, ça devient compliqué. Non, je pense que le deuxième round, il le fait. Je pense que voilà, il a, comme on dit, il a plus confiance, je pense qu'il a encore progressé physiquement, etc. Donc je pense qu'il est, il est bien. Mais troisième round, ça va commencer à être compliqué. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça. Honnêtement, c'est ce que je dis. Et c'est vraiment, pour moi, c'est pas le meilleur des match-up. Vraiment pas le meilleur des match-up qu'il avait à choisir. Mais après, il a pris ce qu'il pouvait, enfin, ce qu'il y avait. En fait, il est dans cette logique de combattre beaucoup. Et comme Whittaker, il n'était pas dispo, celui qui s'est proposé, c'est Vettori. Et sur le classement, il était tout indiqué pour. Il est le troisième. Oui, c'est sûr. Et puis de toute façon, Adesanya, on sait que c'est vraiment pas le genre à refuser quelqu'un, tu vois. Non, 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 c'est pas Il dans son a intérêt, ouais. jamais refusé quelqu'un. Non, mais il pourrait en tant que champion. S'il Oui. voulait, il aurait très bien pu dire j'attends Whittaker. Oui, mais c'est Mais pas sa c'est logique. quelqu'un, voilà. Lui, il affronte tout le monde. Quand il a combattu Romero, personne qui va affronter Romero, tu vois. Lui, il y va sans problème. Ouais. Alors qu'il a, en plus, l'UFC, ils l'ont quand même préservé, Adesanya, entre guillemets. Là, il a affronté que des monstres, mais quand il est monté. On sentait qu'il y avait une. C'était progressif, tu vois. Il aurait très bien pu. Il avait l'occasion de fuir Romero. Il l'a pris sans problème. Ouais. Donc. Non, non, je pense qu'il est. Lui aussi, il est en pleine confiance. Il l'a déjà battu. Oui, non, non, mais on est d'accord, il l'a déjà battu, mais je pense qu'au fond de lui, il sait très bien que si ça avait duré plus de rounds, il ne l'aurait peut-être pas battu. Il l'a déjà battu, mais il l'a battu à la décision partagée. Tu vois, c'est des trucs, t'as cette confiance-là, mais tu te dis, une décision partagée, ça peut toujours tomber la pièce, ça peut toujours tomber d'un côté comme de l'autre. Tu vois? Ouais, après, objectivement, quand tu regardes le combat, c'est pas une décision partagée. Il a gagné. Oui, non mais bien Il a sûr, bien gagné, pour moi sûr. c'est unanime. Il perd un round, mais il gagne 2 rounds, quoi. Tu sais pourquoi je pense que c'est parce que les frappes, elles sont pas significatives. C'est-à-dire que quand tu regardes, en fait, il y a beaucoup de volume, il envoie beaucoup de frappes, mais il y en a beaucoup qui touchent pas. Quand tu regardes bien, finalement, il y a beaucoup de frappes qui ne touchent pas. C'est pas des frappes significatives. Elles vont touchoter, tu vois. Mais c'est pas des vraies frappes. C'est ça, moi, qui me. Honnêtement, quand je revois le combat, je me dis, aïe, aïe, aïe. En plus, à la lumière de Błachowicz contre Adesanya, je me dis, ah, ça peut, ça peut, ça peut. Il a les armes pour. Enfin, de toute façon, on va avoir la réponse très bientôt. Donc, Bah dans une semaine. dans une semaine, là, parce qu'on enregistre le podcast là, mais ouais, effectivement, dans une semaine, on aura la réponse. Donc, à voir. À voir. Suite au prochain épisode. De toute façon, hein. L'important, c'est l'analyse, hein, le pronostic. Oh, le pronostic, c'est pile ou face, en vrai. Finalement, voilà, hein. On le sait tous au fond de nous. Donc il y a trop d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais ouais, sur le papier, là, les armes. On va voir. On va Non, voir. je vais mettre une petite pièce sur le combat. Ah ouais, tu vas faire un petit pari, toi? Ouais, on va voir ce que ça donne. Moi, On va voir si je suis bon ou pas. j'aurais pu le faire s'il y avait une cote vraiment qui mettait. Qui était significative. Pour le coup, là, Non, même c'est hyper dans les serré. paris, c'est hyper serré. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. Je ne le ferai pas.
je ne dépenserai pas de l'argent pour gagner si peu. Comme je suis confiant en mon pronostic, j'y vais, je me lance. Ah bah écoute, c'est tout à ton honneur. De toute façon, t'attendais que ça. Grave, on va faire fortune. Ou pas, ou Oh pas. putain, bientôt le Rolli, on va le voir avec une Rolex en or, tu sais, ça va briller à l'écran. Enfin bon. Bon bah je pense qu'on a fait le tour. Ouais, et écoute, il est 2h30 pour tout vous dire. Et il y Ouais. a bientôt le combat de Jack Paul contre Mayweather là, qui va commencer. Là, cette mascarade. Putain, un Donc père et son fils. À je vais la basculer pesée, sur c'est un RMC. père et son fils. Mais grave. Je vais basculer sur RMC pour guetter ça. Ah, non, mais. À voir. Petite crainte, hein, toujours. Hein. Sur le papier, 99% Mayweather, mais 1% de chance que. Qu'il en prenne une Ah, mauvaise, quoi. t'as vu la photo de la pesée? Oui, c'est ce que je te dis. Alors, quand je dis un père Ça. et son fils, c'est pas forcément l'âge qui joue, c'est Ah ouais, non, c'est le gabarit, le c'est impressionnant. gabarit, mais bien sûr. C'est le C'est gabarit. parce qu'il a affûté le Jack Paul. Il est affûté, mais puis Non, vachement plus grand. c'est Logan Paul. Logan C'est Paul, Logan. Logan Paul. Et il est vachement plus grand. Enfin bon. Grave. On va voir ça. On va voir Ouais. ça. Ouais. Bon, de Bon toute façon, bah. si Mayweather perd, on vous la fait courte, hein. Oh, je pense, même si on parle que de MMA et du Jiu-Jitsu brésilien, je pense qu'on. Enfin, Grave. vous l'aurez, ça c'est sûr. Bon bah écoutez, je pense qu'il nous reste en tout cas qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Ciao.